Et j'ai oublié de la mettre la caméra, mais bonjour, bonsoir à tous, et bienvenue pour ce nouveau petit stream. Ça fait très longtemps qu'on s'est pas vu, j'ai l'air éclatée. Ah, c'est parce que j'ai pas mis ma lumière. Attendez, je suis pas du tout préparée, hein, c'est un enfer, hein. J'arrive. Bim. Ok, c'est bon, pas de retard, voilà. Un petit peu, mais ça va, ça va. On est quand même là, je suis essoufflée, c'est terrible. Salut Angus, salut Guinae, j'espère que vous allez bien. Salut Yukugan. Grosse pause de stream hein, parce que j'avais mon diplôme à finir. Donc je me suis dit bon ok, j'avais pas tant de trucs que ça à faire mais je préférais être un peu tranquille là-dedans. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si les sons sont trop forts, pas assez forts, tout ça. Parce que du coup comme ça fait longtemps les paramètres ont rebougé et moi j'ai plus l'habitude. Donc je risque d'être un peu paumée, voilà. Il fait chaud. Il fait terriblement chaud, mais on va essayer de chiller ensemble, dessiner un peu. Peut-être jouer un tout petit peu, j'ai un jeu que je me réservais en stream, auquel j'ai très envie de jouer depuis longtemps, donc peut-être on va y jouer un tout petit peu. Voilà, et sinon je suis diplômée, ça y est, enfin. J'ai tellement de temps libre maintenant devant moi pour streamer un max, donc voilà. Ah, j'ai beaucoup trop parlé d'un coup, ça m'a essoufflé. Le diplôme, eh oui. Salut Kevin. Oh, merci beaucoup. Ouais, ça y est, enfin, j'ai... Alors, pour ceux qui n'ont pas suivi, j'ai fait 5 années d'études, donc c'était mon master 2. Maintenant, le pré-étudiant, ouais, maintenant, ça va être objectif rembourser le pré-étudiant. Donc, trouver un taf, tout ça, hein, voilà. Mais bon, là, je me laisse... Alors, j'ai fini, du coup, j'ai vraiment fini, hier, en fait, parce que hier, j'ai désinstallé le stand que j'avais laissé à l'école. Donc, j'ai vraiment tout fini hier, et là, ça y est, je suis tranquille, et j'ai... Genre, c'est parti. Mais du coup, je me laisse quelques jours un peu chill pour essayer de prendre des petites vacances, peut-être. Je sais pas. Je l'ai chez moi, le stand, du coup. Bah, j'ai récupéré les affaires chez moi, donc... Et ouais, il y a quelques... Enfin, il y a du matos que j'ai pu, il y a juste des impressions que j'avais faites que j'ai mises à la poubelle parce que ça me servira à rien. Par contre, attendez. Hop. Par contre, chose importante que j'ai, c'est les petits livres. J'ai les livres. Les fameux. Hop. Du coup, je l'ai en 2 exemplaires. Bam. Ils m'ont coûté, les deux, ils m'ont coûté 213 euros. 200 balles, ces deux trucs-là. Envie de crever un peu, hein. Un peu cher. Ça fait des petits livres à 100 balles. Bon, après, c'est un format hyper particulier. Genre, ça fait 16 par 30 cm, en gros, à peu près. Et bref. Hop. Avec des petites impressions en sérigraphie pour fermer le livre. Je vais vous montrer ça le mieux possible. Hop. Normalement, celle-là, elle est brillante, mais je suis pas sûre que ça se verra à la caméra. Non, hein. On peut voir grand-chose. Bref, des impressions en sérigraphie. Sur du papier craft, en l'occurrence. Bah, le petit livre avec toutes les pages. Petit livre qui m'a permis d'avoir une mention coup de cœur du jury et de finir major de ma promo. Il est hyper chiant à montrer à la caméra parce qu'il est long. Genre, enfin... Voilà quoi. Il est super long. Mais du coup, c'est la petite bible du projet quoi, ça y est. Major de promo carrément, ouais. Ouais. Alors, c'est mes bonnes notes. Hop. Regardez-moi ça. Les petites fiches de personnages qui sont dedans, avec plein d'illus. Je vous assure qu'il rend mieux en vrai. Hein. Il y a une carte, il y a eu un problème d'impression aussi. Enfin, il y a eu quelques problèmes d'impression, mais bon, rien de très grave. Mais voilà quoi. Bon. Hop. J'ai le droit à un portrait étudiant du mois dans l'école. Non, pas du tout. Non, j'ai eu le droit à une mention sur le compte Instagram de l'ECV Nantes, mais c'est tout. J'ai le droit à mon diplôme, ce qui est déjà vraiment pas mal. Ah, j'ai chaud. Je vais peut-être mettre mon ventilateur, j'espère que ça va pas faire de bruit. Attendez, j'arrive. Mais... Thank you.
Tac. N'hésitez pas à me dire du coup si vous entendez un espèce de bruit de fond un peu chelou. Ah mais d'ailleurs, est-ce que j'ai pensé à virer Déjà j'avais pensé à virer ça, ce qui fait qu'on devait m'entendre un peu en double. Bref, c'est pas grave. Tout va bien. Je maîtrise parfaitement mes streams. Tac. Mais oui, il fait carrément trop chaud aujourd'hui. J'étais censée me faire tatouer cet après-midi. Mais comme il fait trop chaud, la tatoueuse a dit non, je suis pas en état de tatouer. Je lui ai dit ça tombe bien, j'étais sûrement pas en état de me faire tatouer non plus. Du coup, on va juste chiller. J'ai l'impression qu'il y avait un autre truc que je devais vous dire. Et je ne sais plus. Hop. Oh mais voilà, on a fait le tour hein, en vrai, voilà, j'ai eu mon diplôme, les études c'est fini, c'est reparti pour des streams de manière toujours aussi peu régulière, mais voilà. Date de sortie de Ghost. Ah oui, bah déjà on va essayer de sortir la démo du jeu, pour ceux qui seraient intéressés. Faut qu'on la finisse, déjà. J'ai trop le seum, parce que du coup mon jury, ils ont vraiment juste regardé mon stand, enfin j'ai fait ma présentation, et en gros... Mon oral de fin d'année pour ce projet-là, c'était 20 minutes où moi je présentais le projet, et ensuite 10 minutes de questions-réponses. Donc pendant 20 minutes, je présentais tout le truc, et pendant les 10 minutes, j'étais en mode « Bon, bah si vous voulez, je vous montre la démo maintenant, puis vous pouvez me poser quelques questions. » Ils ont fait « Oui, on peut essayer de faire ça en même temps. » Je fais « Ok, y a pas de souci. » Sauf que le problème, c'est que j'arrivais pas à la fois répondre à leurs questions et à la fois leur expliquer la démo, tu vois, je pouvais pas faire les deux en même temps. Du coup, j'ai pu leur montrer genre vraiment pendant une minute top chrono, la démo qu'on s'est cassé le cul à faire. Mais bon, ça, je pense que ça a quand même plu et tout. Et dans tous les cas, tant d'efforts pour rien. Non, mais voilà, si on publie la démo, ça fera pas tant d'efforts pour rien. Elle aura au moins servi à un truc. Ce sera déjà ça. Mais bon. C'est vrai que j'avais un peu le seum. J'avais vraiment envie de leur montrer, qu'ils puissent y jouer eux-mêmes, etc. Et on n'a pas du tout le temps, en fait. C'est super court. 30 minutes d'échange. Donc voilà. Mais bon, c'était sympa quand même. Puis on a eu aussi un oral. On a eu un oral, les gars, c'était horrible. En gros, comme notre diplôme il est reconnu par l'État, on est obligé de rentrer dans des qualifications précises qui sont décidées par l'État. Et donc avoir des épreuves par rapport à ça. Donc, j'avais une épreuve pour mon book, j'avais une épreuve pour mon projet de fin d'études, et j'avais une épreuve qui s'appelle le grand oral, que les lycéens ont aussi. En gros, c'est une épreuve où on nous pose une question culture G un peu, et on doit y répondre. Enfin, on a 20 minutes de préparation, et ensuite on doit y répondre. Et sauf que c'était une... Alors c'était des questions... Genre, il y a eu une question, c'était... Comment l'illustration peut représenter des concepts abstraits comme l'amour, la justice et la paix? L'illustration est-elle une forme de communication non verbale? Alors personnellement, je suis tombée sur... Quand on parle de lycée, c'est pas comme cela? Je crois, plus mode exposé. Oui, le grand oral de lycée, il prépare, enfin c'est les lycéens, ils préparent deux questions, et ensuite le jury choisit une des deux questions. Donc déjà, ils sont un peu plus préparés. Nous, c'est vraiment, on a une liste de 43 questions, et on tombe au hasard sur cette question-là. C'est un peu horrible. Du coup, 20 minutes de préparation, et puis ensuite on doit parler pendant 10 minutes, et ensuite on a 10 autres minutes de questions-réponses, je crois. En vrai, c'est stressant, c'est trop stressant sa mère, c'est horrible. Salut Xifias, merci beaucoup pour les 15 mois de sub, et merci pour le GG. Merci beaucoup. Mais ouais, non, c'était trop stressant. C'était vraiment la pire épreuve. Et ce qui est terrible, c'est qu'on avait... En gros, on avait une première journée d'épreuve avec notre oral de book et notre oral de PFE. Allô, la caméra, tu peux éviter de faire le point sur mon micro, s'il te plaît? Faire le point sur moi, merci. Donc oui, on avait l'épreuve de book et l'épreuve de projet de diplôme le mardi. Et le mercredi... Non, le mercredi, pardon. Et le jeudi, on n'avait que cette épreuve-là de grand oral. Et du coup, avoir des épreuves sur deux jours d'oraux comme ça, c'était hyper, hyper stressant et hyper épuisant. Je suis à la Pride de Paris, j'ai pas de co, non. Ah bah, faut profiter. Non, mais profite de la Pride. Ah là là. J'avais pas tilté que c'était aujourd'hui. C'est vrai que je passe mon équivalence de bac en ce moment, du coup, le truc fun des exposés, c'est insupportable. Ah mais là, c'était vraiment l'épreuve. Alors, déjà, les oraux, c'était pas simple, mais quand c'est des oraux où on parle de nos projets, on parle de dessins, de nos trucs... Ça va, c'est plutôt cool en vrai, c'est stressant sa mère, c'est pas agréable, mais c'est ok. Alors que le grand oral, vraiment, il n'y avait rien de ok, c'était horrible, c'était extrêmement stressant. Et moi je suis tombée sur une question, c'était comment l'illustration peut générer des émotions ou susciter des réactions chez le spectateur. C'était ça ma question. Et en fait c'est trop dur, parce que c'est des questions qui sont si vagues, on a eu des questions genre...
Le beau peut-il être utile? Ou un truc comme ça. Non, le beau est-il efficace? Qu'est-ce qu'une bonne idée? J'étais tombée sur une question, c'était le directeur artistique est-il un artiste? Que des questions comme ça, atroces. Et en vrai, c'est des problématiques qui sont super cool. Genre c'est... Tu sais, pour s'entraîner à l'oral, avec mes potes, on essayait de prendre ces questions-là et de discuter, de faire une discussion où on donnait nos idées, nos références, etc. Et ça, c'était trop bien. Genre, du coup, on discutait trop et c'était intéressant, c'était des discussions. Mais sous forme d'oral, où tu dois parler en continu pendant 10 minutes, trouver toujours des idées et tout, tu dois construire ta réponse, genre dissertation à l'oral. Oui. Du coup, t'es obligé de construire, de faire, bon, bah d'abord, je vais aborder ça, ensuite, je vais aborder ça, ensuite, je vais aborder ça, avec une intro, une conclusion. Et on a été hyper mal préparés à cette épreuve-là, en plus, tout au long de l'année. Donc, du coup, c'était vraiment du full impro. Et c'était horrible. Et moi, j'ai vu ma question. Et j'étais en mode, putain, elle est trop bien, c'est parfait. Et j'ai commencé à faire mon plan, etc. Et j'étais là, genre, bon, j'ai des choses à dire, mais c'est pas ouf. C'est pas intéressant, c'est pas... J'étais en mode, j'ai vraiment pas grand-chose de bien à dire. Et puis, en plus, c'est un peu compliqué, parce que illustration, c'est un peu flou comme terme. Pardon, je t'ai dans le micro. Du coup, moi, j'ai parlé de jeux vidéo, de cinéma et tout, et je savais pas si ça rentrait vraiment dans le cadre de la question, quoi. Donc, c'était un peu dur. Genre, t'as trop peur de faire un hors-sujet rapidement. Des compétences plutôt utiles si t'as des postes qui encadrent d'autres plus tard. Ah oui, non, mais clairement, hein, c'est utile, mais le faire sous forme d'oral, en plus, ça compte pour un quart ou un tiers de ma note de diplôme, je sais plus exactement. Je peux pouvoir rester, je vois même pas le live. Oui, non, mais la rediff, hein, ce sera très bien. Donc oui, dans tous les cas, c'est des réflexions qui sont intéressantes et tout, c'est des trucs que même sans que ça soit sous forme d'oral, c'est des réflexions que t'as avec tes potes, avec tes collègues, etc. C'est normal, c'est des questions qu'on se pose tous. Mais devoir disserter dessus pendant 10 minutes face à 4 personnes qui te regardent en mode... En notant des petits trucs, horrible. Abominable. Horrible. Et bref... Et donc je fais mon truc hyper stressé, je me sentais pas à l'aise du tout, c'était affreux. Je finis mon oral sur une vieille phrase en mode, bah j'ai pas de phrase de conclusion, mais voilà, merci de m'avoir écouté, d'avoir écouté ma réflexion, tu vois. Je finis un peu comme ça. Et ils m'ont regardé trop bizarrement, ils ont fait, ok. Du coup on va passer aux questions. En fait, normalement ils posent des questions pendant 10 minutes, moi ils m'ont posé des questions que pendant 5 minutes. Du coup, c'était horrible, c'était trop stressant. Et en plus, j'avais parlé du jeu vidéo gris, parce que la couleur dans le jeu vidéo gris, ça représente beaucoup de choses, etc. Et donc, il y a un gars qui commence à être en mode « Oui, mais dans gris, est-ce que tu penses que c'est pas plutôt la musique qui porte le jeu ?» Moi, je pense que c'est la musique qui est plus émotive, etc. Et j'étais en mode « Bah, perso, c'est plus les visuels du jeu qui m'ont touché. Et moi, je suis l'auteur du jeu sur les réseaux sociaux et je sais que je suis très intéressée par tous ces jeux parce que je trouve qu'il y a un univers graphique qui parle énormément, qui dit beaucoup de choses et tout. » Bref, j'essayais, tu sais, vraiment de blablater sur du rien comme je pouvais. Parce qu'en plus, moi, j'ai un problème, c'est que, comment dire, je suis hyper mauvaise pour parler de mes références. Dans le sens où j'oublie tous les noms, j'oublie tous les titres. Je suis du père, tu vois, quand on me demande de parler de mes refs sous format oral. J'ai parlé d'Outer Wilds aussi, sur le fait d'impliquer le spectateur, etc. Bref, et du coup c'est pareil, à un moment il me parle de est-ce que ça peut faire réagir, ça peut entraîner une action. Et j'étais en mode putain, oui, il y a ce mec qui a fait un tableau entièrement rouge, mais je sais plus comment il s'appelle, le titre du tableau, mais j'étais en mode je sais plus comment s'appelle l'artiste, ni le titre du tableau, je sais plus rien. Donc du coup j'ai raconté mes trucs en essayant de faire un peu professionnel, mais je maîtrise, enfin j'avais l'impression de pas maîtriser mon sujet, c'était affreux. Que des bons jeux, ah bah oui, hein, évidemment on parle des bons jeux, hein. Mais ouais, du coup c'était vachement dur en fait, et j'avais l'impression de m'être foirée. C'est-à-dire que je suis sortie de l'oral, j'avais les larmes qui me montaient aux yeux, je suis arrivée à l'accueil de mon école, parce que genre je descendais les escaliers, j'allais aller dans la cafette. Je passe à l'accueil, il y a la fille qui est à l'accueil qui me demande « Alors ça va, ça s'est bien passé et tout ?» Et je lui fais « Non », et je fonds en larmes. Genre, d'ailleurs ça me donne les larmes aux yeux, rien d'y penser, c'est terrible. Et ouais, j'ai fondu en larmes, genre gros craquage, j'ai chialé pendant je sais pas combien de temps. C'était affreux. Mais du coup, j'étais pas stressée de pas avoir mon diplôme, parce que je savais que je m'étais bien emmerdée sur le reste, que j'ai un bon bulletin, tu vois, j'étais en mode « C'est bon, j'ai mon diplôme, ça c'est bon. » Mais la redescente de stress et l'impression de s'être craqué à l'examen, c'était un enfer. Et finalement, apparemment, j'ai super bien réussi mon oral.
Et vraiment, du coup, j'ai fait ce truc affreux des personnes qui disent oh non, je me suis complètement foirée, et au final, qui ont les meilleures notes de la classe. Je suis. Je m'en veux, tu vois, mais j'avais vraiment l'impression de m'être foirée, c'était horrible. D'habitude, ça va, je sens plutôt bien quand je me foire. Là, j'étais persuadée d'avoir raconté que de la merde, c'était terrible. Genre, tout le monde essayait de me rassurer après l'oral en mode non, mais tu sais, des fois on a l'impression de dire des trucs débiles alors que de l'extérieur, en vrai, ça sonne plutôt correct et tout. Et bah, apparemment, je sais très bien mentir, hein. Je sais faire semblant d'avoir confiance en moi et tout. Je maîtrise ça. Bon, je me rends compte que je blablate beaucoup en faisant pas grand chose. Donc, je vais passer, hop, bam, sur ma set procreate. Comme ça, au moins, on va un petit peu dessiner pendant qu'on discute. Bref. Ouais, des petits chats, je dessine des petits chats en ce moment. Voilà. Il faut que je monte un petit dossier. Petit dossier de BD. Je ne dirai pas plus. Voilà. Donc oui, c'est les chats aventuriers. Le bluff d'une joueuse de poker, en fait. Mais c'est trop drôle parce que c'est un truc en plus dont j'ai déjà parlé en stream. C'était le fake it until you make it. Que j'avais vu moi sur Twitter, je crois, un truc comme ça. Qui est vraiment cette idée de si t'as pas confiance en toi, faut faire semblant d'avoir confiance en toi. Jusqu'à ce que les autres, et au final toi-même, y croivent, tu vois. Oh là non, je sens que je vais devoir... Non, c'est bon. Ok, mon iPad il a un peu bugué, j'ai eu peur. C'est à cause des chaleurs, des fois je suis obligée de relancer mon iPad. Bref, et donc oui, c'est cette idée que voilà, tu dois faire semblant d'avoir confiance en toi et tout. Et le soir, il y avait un espèce de petit pot pour fêter le diplôme, et puis donc il y avait nos jurés qui étaient là. Et il y en a un qui vient me voir et qui me fait « Oui, je sais pas si tu connais ce concept du fake it till you make it » parce que, du coup, on a raconté au jury que que j'avais complètement craqué à la fin, que j'avais chialé à la fin du truc. Et il m'a dit « Ouais, ça s'est pas du tout vu que t'étais stressée, etc. » Ça, genre, ça marche. Technique qui marche, hein, du coup. Vraiment approuvé, testé et approuvé, quoi. Ah, et si, attendez, mon iPad, il bug vraiment. Je vais devoir le redémarrer. Ouais. Pas dessiné en fait. Bon. Ah oui, non, tais-toi Siri. Disons que je me défends assez bien, c'est super Siri. Hop. Bon, je repasse sur sur ce truc-là en attendant de relancer mon iPad. Bah, c'est le problème des chaleurs, hein. J'avais oublié que mon iPad faisait de la merde quand il fait chaud, donc forcément en streamant, on doit galérer encore plus. De toute façon, si ça marche pas, si j'arrive pas à dessiner, on passera sur un petit jeu. Et du coup, je me suis réservé Unpacking, un petit jeu indé qui a été fait, ou qui a déjà été fait, refait par 1000 personnes. Mais moi, j'avais pas eu le temps de le tester. Surtout, il était un peu pas dans mon budget au début. Là, il était en solde, donc j'ai pu le tester. Hop, tac. Oh putain, faut que je me reconnecte et tout là. Vraiment. Attendez. C'est trop chiant, mon application pour streamer mon écran, elle a changé et elle est trop nulle maintenant. Avant, c'était super rapide, j'avais juste à me connecter à mon... Enfin, j'avais juste à appuyer sur deux boutons. Et maintenant, c'est hyper long et chiant à faire. Hop. Bam. Voilà. Tac. Attendez, hein. C'est imminent. Pourquoi tu fais ça? Je vais mettre comme ça pour que ça marche, c'est ça? Oui, voilà, c'est bon. Ok. Je vais en finir, donc je vais vous laisser bon stream. Merci d'être passé et bon courage. Hop. C'est vrai que ça fait bizarre, hein. Là, je vous avoue que je suis en période... Waouh, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je fais de ma vie? Comment ça, j'ai fini les études? C'est trop étrange. Par contre, il va falloir marcher au bout d'un moment. Allez, merci. C'est trop bizarre comme période. Je me rends pas du tout compte. De toute façon, je comptais pas passer 1000 ans sur ces petits chats parce qu'ils sont quasiment finis. Mais j'en ai plein d'autres à dessiner. Donc c'est ok. Hop, bim. Mais ouais, période un peu bizarre. Enfin, période un peu bizarre, ça fait 2 jours. Hein. Mais du coup, c'est trop étrange. J'ai l'impression d'être en vacances d'été. J'ai pas l'impression d'avoir fini mes études. Fitness Overload. Et oui, plein de petits chats. Hop. Donc plein de petits métiers différents et tout. Hop. Ah oui, et du coup, et les examens, mais j'imaginais pas à quel point ça allait être
violent sur ma santé. Genre, c'était terrible, j'étais épuisée. Du coup, j'ai passé... Putain, mais... Il me casse les couilles à bugger mon iPad, là. Je peux dessiner, ça va ? Ouais, c'est pas ouf, hein. Donc oui, tout passé sur 2 jours, là... C'était hyper stressant, je me sentais pas prête du tout. Et on a été boire un verre, du coup, le 21 juin, parce que... Ce qui est terrible aussi, c'est que mes examens sont tombés pendant la fête de la musique. C'était le bordel à Nantes. C'était terrible. Et du coup, on a été boire un verre vite fait le soir pour... le soir, histoire de fêter un tout petit peu ça. Du coup, on avait quand même un autre oral le lendemain. Mais on a été boire un verre et on est resté genre... un peu moins d'une heure parce qu'on était tellement fatigués. On était dans un état... c'était terrible. On était avec mes deux potes, on s'est posé au bar. Et on se regardait, on était genre... Ouais. Ouais. Juste comme des gros zombies, c'était terrible. Hop. Je sais pas comment dessiner, c'est terrible. J'ai des cheveux dans les yeux, ça me... Au secours. Hop. Voilà. Tac. Mais ouais, du coup, je réalise pas tellement pour le moment. Je suis un peu en mode, bon... je suis en vacances, qu'est-ce que je fais de ma vie qu'est-ce qui se passe, tout ça. C'est un peu bizarre. Les études, ça a été 20 années de ma vie. Donc maintenant, je suis en mode, bon, bah... On est là, quoi. Hop. Je vais rentrer dans la vie active. Et ce qui est bizarre, c'est que... Bah, je pense que quand t'as un emploi un peu plus classique qu'un emploi dans un métier un peu artistique, bah t'es... Bah, tu démarres... Enfin, comment dire, tu démarres pas de la même manière. Je suis censé démarcher ou... en fait, trouver un travail, trouver un CDI, un CDD dans le milieu de l'art et tout, c'est super particulier, ça arrive assez peu. Et je peux vraiment pas dessiner. Hein. Genre... Ok, on va jouer. J'en ai déjà marre. Ça bug, c'est pas possible. Je peux pas dessiner parce que ça bug trop. Hop. Oh, attendez. Parce que du coup, ça me demande tout un setup différent, là. Hop. On abandonne le dessin. Ce serait bien si j'arrivais à faire passer le chat Twitch sur mon iPad. Comme ça, je peux continuer à vous lire. Je pense que tu réaliseras mieux quand tu auras l'habitude de ton taf. Ouais, peut-être, et encore, en vrai... Enfin, oui, je pense que oui, forcément, quand j'aurai l'habitude, mais... Parce que quand est-ce que j'aurai l'habitude, quoi. C'est ça qui est bizarre. Hop. Et voilà, c'est bon. Il faut que tu aies trouvé ta routine, ouais, c'est sûr. Mais ouais, c'est ça, on est un peu laissé en mode, bon, bah... Je vais pas commencer à chercher les offres d'emploi sur Indeed ou des trucs comme ça, parce que c'est pas vraiment... C'est pas vraiment la route qu'on prend quand on est illustrateur indépendant. Alors. Tac. C'est ce mode de jeu de stream là que je veux. Mais pas mon écran. Tac. Tac. Unpacking. Ok. Ah, insane. Du coup, ça va être complètement découverte. Je pense que je vais changer le titre du stream aussi. Voilà. Unpacking. Bim. Bam. Voilà. Go pour l'emploi, ils sont très efficaces avec les métiers artistiques. Ah, j'en doute pas. Genre dans le jeu vidéo, je sais que ça joue beaucoup au réseau, à des regroupements postulés en montrant ton magnifique book et tout. Ouais, non, mais c'est sûr. Mais après, ce qui est bizarre, c'est qu'on nous a dit tellement de choses, genre... nous, on nous a dit plein de fois que le book, ça servait plus à rien et que plus personne regardait les books, que ça servait à rien d'envoyer des mails, etc. Et puis bon, les regroupements, ouais, faut pouvoir y aller, quoi. C'est surtout ça le problème. Ou le réseau, c'est pareil. Hein. Moi, je sais qu'en plus, je sais pas si je veux bosser dans le jeu vidéo ou alors si je bosse dans le jeu vidéo, c'est en tant qu'indépendant, donc en tant que freelance. Et en tant que freelance, en fait, c'est ça ce qu'on nous a dit, c'est
bah, à partir du moment où vous aurez votre premier taf, votre premier projet avec un client, ça devrait venir à peu près tout seul, quoi. Mais il faut que ça vienne. Donc bon. Allez. Hop, c'est y part. En fait, c'est chiant, je vois un peu mal. Il fait boule de neige, ouais, voilà. Non, mais c'est ça, en fait. C'est exactement ça. Alors. Est-ce qu'il y a du son? Parce que moi, je n'entends pas le son. Je sais pas si le son est assez fort. Est-ce que le son est assez fort pour vous ou pas? Globalement, l'air, je peux tenter un tout petit peu. Tac. Mais c'est ça, il faut qu'une première personne nous fasse confiance en tant qu'artiste, quoi. C'est ça qui est compliqué. Bon. Alors, est-ce que dans les settings, il faut que je vois quelque chose d'abord? Je vais passer en français. Paf, pour que tout le monde puisse comprendre, pardon. Ouais. Ouais. Restreindre le curseur. Non, bah je te fais confiance, ça a l'air un jeu un peu simple. Hein. Je me suis déjà fait spoil de 2-3 trucs du jeu. Mais bon. Fonctionnalité débloquée, vous pouvez désormais écouter des pistes du jeu entier en écoutant musique aléatoire dans les paramètres audio. Une fois qu'un niveau est déballé, vous pouvez l'activer et désactiver temporairement l'évaluation. Parce que la mise en surprise, c'est le bouton étoile, d'accord. Ok, donc ça c'est pour la section de niveau. Allô, Palp. En vrai, il y a vraiment une dizaine de mots seulement. Oui, j'ai l'impression que dans le jeu, c'est vraiment pas... Merci de vous être joint à moi pour cette aventure. Ah, j'ai du mal à voir qu'est-ce qu'il y a des boutons ou pas des boutons dans le jeu. Même s'il est magnifique. Hein. Hop. C'est la fête ici ou bien... Voilà, c'est chill, hein. J'ai un camion de déménagement approche. Quelqu'un frappe à la porte. Waouh. Ah oui, c'est les trucs de la musique. J'ai ma fille, astuce d'un 3D artiste freelance dans le jeu vidéo, se faire un potager de patates. Ça prend pas trop de temps, c'est worth, et bon. Bah oui, mais il faut un jardin. Oui, non, c'est la fête chill en vrai. Hein. Moi, j'ai déjà fait la fête, du coup, un petit peu jeudi soir. D'ailleurs, je vais en bar ce soir, donc... C'est pour ça que là, à 18h pile, je cut le stream et je fonce. Hello Genshin! Merci beaucoup. Ça, c'est juste, ça m'a fait rire quand il a recommandé ça. Bon, en même temps, je comprends, il a raison. On a les crédits, du coup, au début du jeu. C'est mignon. Alors moi, ce dont j'ai hâte dans ce jeu, c'est que j'ai vu qu'on range des affaires. Et donc j'ai trop hâte de pouvoir débattre de où se range quoi, parce que j'ai des avis très précis là-dessus. Donc bon. Oh, il y a des affaires d'artistes. Ça sert à rien, les petites figurines. J'allais vous la montrer du doigt, vous la voyez pas. Les petites figurines en bois, ça sert à que dalle, c'est nul. Si vous commencez dans le dessin, achetez pas ça, ça sert à rien. Voilà. Parce que je dis ça parce que j'en ai un dans mon appart. Et que ça fait à peu près 5 ans qu'il fait juste un espèce de grand saut qui sert à rien. Voilà. Je sais pas si je skip, est-ce que c'est long ou est-ce que c'est pas long leur crédit. C'est étrange déjà qu'il y ait les crédits au début. Allez voir tous les testeurs, genre. Je peux le faire d'abbé, c'est Nabatrice, c'est vrai que je peux le faire d'abbé. Je lui avais donné un nom à une époque, et j'ai complètement oublié le nom que je lui avais donné. Mais bon, écoutez. J'ai soif. Buvez, c'est important. Il est chaud, il faut boire. C'est beaucoup trop chaud aujourd'hui, hein. C'est terrible. Hein. Hop. Soutenu par le gouvernement de Queensland, vraiment. Trop drôle. Et c'est y part. Du coup, t'as fini les études, là? Ouais. Ah ouais, ça y est, j'ai officiellement fini les études. C'est fini.
Attendez, mais là, je peux... Mais attendez, mais pourquoi il m'a fait commencer par le dernier niveau? C'était pas normal qu'on commence par les crédits. Ben voilà, je suis à la fin. Oh putain, mais je sais. 100%. Ah, je me disais bien que ça appartenait pas à Chloé. Chloé, c'est le nom de ma sœur. Bim. C'est parce que c'est ma sœur, elle a fait le jeu. Oui, mais je pensais pas que j'avais lancé les crédits, Ah, du coup, on s'est fait spoil à la fin. Elle vit avec quelqu'un, OMG. Mais comment est-ce que je peux... Je peux pas reset le jeu? Recommencer. Je veux pas recommencer le niveau, je veux reset le jeu en entier, moi. Oh. Est-ce qu'il va falloir que j'aille sur Steam pour reset tout le jeu? Effacer les données. Oui. J'avais complètement oublié que je l'avais prêté à ma sœur. Voilà, c'est bon. Incroyable. Ah, c'est pour ça. Je lui ai prêté Stray aussi, donc elle a testé des jeux de ma liste. Donc c'est bon, tout va bien. C'est reparti. On n'a jamais rien vu. Jouer. Je me disais aussi que c'était vachement étrange et que je comprenais que dalle à ce qui se passait. Non. Hop. C'est mon nom. C'est Marin. Ah. Hop. Quelle idée de prêter des trucs à ta sœur. Et je vais faire quoi du coup maintenant, maintenant que j'ai tout... Que je... Ah, je peux ouvrir les cartons. C'est parti. Un ballon. Ça va partir un ballon. Maintenant, je vais faire quoi? C'est une excellente question. Ah, je peux les bouger. Oh, trop bien. Quelle fronde du boss, qu'est-ce que j'ai dit? Putain, c'est une personne qui aime le foot. Hop, des petits crayons, ça va sur le bureau. Ouais, je vais travailler, je vais chercher un travail. Hein. On va voir ce qu'on peut faire. Hein. Petit journal. Enfin, journal intime. Boîte de crayons. Je peux ouvrir les placards? Oh, je peux ouvrir les placards. Insane. Ok, c'est parti. Hop. Oh! Oh, quel beau dessin. Oh, c'est une artiste. Ou un artiste, je sais pas. Oh, une tirelire cochon, elle est incroyable. Oh ouais! Oh, des livres. Ça se range comme ça, les livres, attention. Chercher des gens avec de l'argent qui veulent me le donner, ouais, c'est ça. Hop. Un super jeu. Je sais plus comment ça s'appelle, on appelle ça un Simon en français, mais... Ah, mais du coup, on est vraiment dans une chambre d'enfant, là, en fait. Attendez, ça me trigger que... Non. Que le jeu plus petit soit derrière. Je sais pas ce que c'est comme jeu... Petit truc, ça, là. Il y a une sorte de toupie chelou. Hop. Bam. Les livres sur la tranche, ça abîme. Genre là, comme ça, et ça abîme les livres quand on les met comme ça. Bim! Au revoir le carton. Ça, j'arrive pas à savoir si c'est... Non, c'est un vrai bouquin. Hop. Et bah tant pis, ils seront comme ça. Paire de ciseaux. Petite gomme. Elle est gigantesque, hein, cette gomme, en fait. Je dis petite gomme, mais pas du tout. Hop. C'est quoi ça? C'est un poster? Ah oui, oh, waouh. Ah, je m'attendais pas à un truc comme ça. Demain, oui, les livres se conservent mieux à plat. Eh bien, écoutez, dans ce cas, on va suivre les conseils. Ah oui, mais non, mais ça va être horrible à ranger. Non, c'est moche. Je refuse. Hop. Ah, il va falloir les ranger par couleur. Attendez. Oh! Oh, insane la console. Trop bien. C'est moins joli, vachement plus chiant. Ouais, carrément. Hop. J'ai déjà commencé à mal ranger les livres, attendez. Violet au bout, ensuite bleu, celui-là et ensuite celui-là, voilà. C'est quoi ça? C'est un appareil photo? Trop bien. Ah, je peux prendre des photos maintenant. Incroyable. Petite lampe torche. Petite lampe torche. C'est très relaxant comme jeu. Salut, salut Yaté. J'ai cette chance pour le diplôme, merci beaucoup. Ça y est, on y est. Incroyable. Hop. Petit car anglais. Petit car anglais. Corde à sauter, c'est un jouet. Ça va là-dedans. Trop rapide.
Hop. Encore une peluche. Mais elle a combien de peluches? Ça, je sais pas si c'est une peluche ou si c'est un petit... On va dire que c'est une petite sculpture. Ça, c'est une petite... Ça, c'est des figurines, ouais. Un max de figurines. Putain, encore un poney. C'est un troll, ça. C'est plus relaxant que se ranger sa chambre IRL, là, bah, carrément. Hein. Oh, c'est un Tamagotchi! Ça, faut le garder proche. Oh, trop stylé cette peluche. Ah bah, là. Putain, mais elle a 1000 peluches. Petit cadre de cochon. Oh! Ah ouais. Attendez, j'étais pas prêt à ça. Ok. Je peux la ranger à l'endroit? Bon bah, ça sera sur le côté alors. Hop. Bim. Ah, ça c'est les cassettes. Ah bah, faut les mettre à côté. Attendez. Hop. Et la Game Boy, ça va là. Hop. Un autre livre. Oh, c'est très satisfaisant. Y a plus de place pour les livres là? Oh non. Oh, c'est très peu satisfaisant. Je suis très déçue. Un radio cassette, ouais. J'avais ça quand j'étais petite. Hein. Ah, celui-là, il est mal rangé. Non, bah c'est vrai. Hein. Moi, je pense qu'il va là. Ah. Incroyable. Mais ça, du coup, non. Ça, c'est mal rangé, c'est stressant. Ah, voilà, ça, je voulais le mettre sur le côté. Ah, mais putain. Eh, d'accord, tu peux vraiment... zoomer, dézoomer et tout. Waouh. C'est quoi? J'ai un petit autocollant étoile. J'ai un sticker étoile. Je peux le mettre. Enfin, ma propre chambre. Trop mignon. Oh ouais. Je peux pas les utiliser? D'accord. Dommage. Tac. 2004. J'ai pas regardé c'était quoi la première date. Oh! Oh le gros PC! Oh, c'est une chambre étudiante ça, ça je reconnais. Ça dessine des furries. Oh bah. On va cacher la grosse tache au mur. 97! Ah oui, donc. On est 97 et 2004. 97 c'était sa première chambre. Ouais, si, ça va, ça concorde. Des livres, un max de livres. Petite souris. Bim. Un clavier de souris, ça, on est d'accord. Oui. Hop. C'est trop bien, tu peux déplacer les trucs en même temps. Elle a encore un tiroir. C'est un tiroir, ça? Non, c'est pas un tiroir. Hop. Ça, c'est son agenda, ça. 2004-2005, c'est important. J'avais 4-5 ans à cette période. Et vous? Oh, elle a gardé le même. Mais elle a perdu son petit ruban. Souris sans fil en 2004. Ouais, bon, écoute. Oh! Oh! Insane, la salle de bain. Ah oui, mais il va nous falloir un... Ah oui, non, mais là, ça va pas du tout. Ok. Ça va pas du tout. Attendez, on va s'occuper de ça après. Non, mais... Qu'est-ce qu'on avait dit? Il sert à rien, lui. Il change de pose. Oh, c'est parfait. Oh oui. Il dab. Incroyable. Oh, c'était pas prévu, ça. Incroyable. Oh, les vêtements. Les vêtements, c'est parti, c'est dans la penderie. Oh, j'aime pas trop sa penderie. Non, mais dans l'autre sens, par contre, les chaussures. Voilà, merci. Je sais pas s'il y a des... Bon. Hop. Récurseur, en vrai, de DP en 2004. Ouais, grave. C'est quoi, ça? C'est encore son truc de cassette? Je pense, hein. Je dirais un truc de cassette. Ah, deuxième chaussure. Bim. Et ça me fait penser au fait que... sachez que j'ai présenté... Qui range une seule chaussure dans un carton? Non, mais qui fait ça? Ah. Tour du PC.
D'accord. Bon, écoutez, c'est pas grave, on va pas juger. C'est quoi ça, c'est encore un poster? Stylé ce poster. Peut-être que ta cam en bas à droite serait mieux pour rien cacher, mais je suis pas sûre. Hop. On peut tester, hein. Merde, attendez. Bim. Ah oui, mais dans ce cas-là, faut que je me flippe. Attendez. On se remet. Flip. Bam. Ah, c'est pas ça que je voulais déplacer. Oui, c'est toi. Hop. Ouais, j'avoue qu'ici, ce sera mieux. Quelqu'un qui a perdu sa deuxième chaussure, peut-être. Hop. Des bouquins encore. Faudra qu'on les range par, par couleur. Hein. Ouais. Hop. Encore des crayons. On a vraiment un artiste. Hein. Par contre, ils m'embêtent ces crayons. Bon, je vais les ranger après. C'est des marqueurs. Ils m'embêtent aussi, je vais les ranger après. Hop. Petit livre, petit livre. Bam. Alors. Oh. Fils de tété, hein. Faut arrêter de mettre des soutifs, hein. Non mais je rigole, je sais qu'il y a des personnes qui peuvent pas arrêter d'en mettre. Waouh. Ça me semble que ce soit juste à côté. Ah c'est bon, ça va. Livre par couleur, pas par taille ni ordre alphabétique. Bon, alors ordre alphabétique là ça va être compliqué. Mais donc oui, par couleur évidemment. Alors je dis ça mais je le fais même pas sur mes propres bouquins. Hop. Bam. C'est un bouquin ça encore? Ah, il n'y a plus de place. Attendez, on va bouger. Ah, mais là, du coup, on voit moins bien Dabman. Attendez. J'avoue que c'est un peu stressant parce qu'il y en a qui sont vraiment plus petits que les autres, mais bon. Okay. Hop. Tac, voilà. Oh, bah, toujours la même gomme qui n'a pas changé de taille d'ailleurs. Comment est-ce qu'elle fait, je ne sais pas. Gros truc de taf, ça je sais pas où j'allais foutre, hein, mais... Ok. C'est des culottes. Petite culotte, là, hop, bim. Elle a besoin que de 3 culottes et de... Oh là, ça va dans la cuisine. Ah oui, d'accord, on va s'amuser, il y a des cartons partout, en fait. Ah ouais. Daman sur l'écran du PC. C'est le DVD de... Donnie Darko. Je l'ai rangé avec les livres. C'était un DVD? Ah oui, t'as raison, c'est un DVD. Ah là là, va falloir rentrer, je vais ranger ça autrement alors. Peut-être en bas? Ouais. Hop. Bam. Si tu fais jamais d'erreur, la gomme diminue pas. C'est pas faux. Oh, le nerd. Il a un Rubik's Cube, quoi. Hop. Dance. Use yourself to dance. Ah. Là, on est mieux. Ah bah non, on n'a plus de musique. Bam. Petit sac de cours. On le mettra pas là. Hein. Il y a des trucs que j'ai posés, je les laisserai pas là, hein, vous inquiétez pas. Hein. C'est juste que là, j'ai pas accès à... au truc qu'il y a derrière, donc c'est très chiant. Ah oui, merci. Je me disais bien aussi. Oh. Les thunes, cette fois-ci, on va les ranger, genre là. Hop. Oh. Encore des figurines. Bim. Oh, toujours le ballon de foot. C'est beau. Des choses qui changent pas. Hein. On va superposer les cahiers, genre. Eh, ça manque d'espace de rangement de cahiers, ici. Hein. On verra ça après. Ah, voilà. Là, on va pouvoir ranger des trucs, ici. Ah bah non! Non, les suites, ça va sur les... Voilà. C'est quoi, ça? C'est un radio-réveil? Oui, c'est un radio-réveil. Hop. T-shirt. T-shirt. T-shirt, on pourra aussi ranger les t-shirts par couleur, mais est-ce que je suis
Mazo à ce point, je suis pas sûre, je vais pas vous mentir. Oh, petite tour Eiffel. Elle était à Paris, là. Ah, ça, c'est une chemise. Les chemises aussi, ça se range sur des cintres. Attendez. Hop. Ah, mais non, c'est son pyjama. Ah, un petit pyjama. Attends, un petit pyjama sur le lit, alors. Ah, oui, mais d'accord, mais elle a plusieurs pyjamas. Bon, bah, ça, ça sera un autre pyjama. Hop. Bam. Ah, papier toilette. Papier toilette. Alors, sachez que si vous mettez votre papier toilette comme ça, vous êtes des monstres. Ok? Il y a une chose sur laquelle il faut qu'on soit d'accord. Hein. Voilà. Je veux dire, je peux accepter énormément de choses de quelqu'un, mais pas ça. Quelque chose d'important, ça. Ça aussi, c'est un livre. Hop. Ah, mais ça, c'est un livre qu'elle avait déjà avant. Attends, déplacer le Rubik's Cube. Hop. Bam. Encore un jean. Que des jeans. Ah, merci. Alors. Ah non, c'est pour dire qu'il reste des trucs à ranger dans la salle de bain, ok. Mais là, les prises sont pas super accessibles. Ah, là, il y a la porte. Attendez. Non, on peut mettre le sac... mettre le sac ici. Ouais, ici c'est mieux. Ça passe pas dedans, ça. Hein. Attendez. Des choses qui vont pas, là. Déjà, ça, ça va là. Ça, je sais pas ce que c'est, mais je vais dire que c'est un journal, donc on va le mettre là. Ah, la boîte de crayons de couleur, elle m'embête. Est-ce que lui, on peut le poser autre part ? Ça me plaît pas beaucoup tout ça. Hein. Alors ça va aller là-haut. Ça a l'air des documents pas très importants. Hop. Bon. En vrai, c'est pas trop mal comme ça. Moi, j'aime bien. Hop. Trop chiant à mettre sur le dérouleur. Chiant à mettre sur un dérouleur. Bon, moi j'en ai pas de ça chez moi. Donc, un peu sage en vrai. Bon, il te faut au moins une serviette, c'est important. Petit savon, je vais imaginer que c'est du savon, savon et pas du savon. Ah voilà! Merci. Tout va mieux. Hop. Petit parfum. Brosse à cheveux. Non, brosse à cheveux, c'est quand même truc de tous les jours. Petit gel douche, petite trousse de pharmacie, ça c'est bien, ça c'est une personne organisée. Ah oui, alors là... Attendez, ça va pas. Prendre les choses correctement, voilà. Mais quelle idée aussi, elle range super mal, elle a super mal fait ses cartons, hein. Vous avez vu ça? Ah, petit tampon. Là, j'imagine que c'est un shampoing. Plus de papier toilette, vous savez quoi, on va le laisser sur le côté. Parce que voilà, je savais qu'il allait falloir laisser de la place. Insane. Hop. Petite poubelle. Ah oui, non, d'accord, là, elle est sur les toilettes. Oui, faut pas déconner. Pourquoi t'as mis ta poêle dans ton carton de cuisine? Non, mais c'est... C'est terrible, hein. Poubelle sur la cuvette. Bon, écoutez, tout peut pas être parfait tout le temps, hein. Ah, mais ça, ça va, j'ai la place de le mettre dedans, du coup. Insane. Hop. Hop. Voilà. Bon alors. On s'occupe un petit peu de ça, parce que là, ça va pas du tout. Alors. Des petites tasses, des petits trucs. Ouh, toute petite tasse. Trop mignonne. Petit sucre. Ça aussi, c'est une... Bon, d'accord. Attendez, j'essaye de savoir qu'est-ce qu'il va y avoir à ranger. Ah oui, d'accord, elle a pas beaucoup de... Ok, je vois bien. Ah mais ça, c'est un torchon. Mais toi, viens là. Casse-toi. Petit stock de fourchettes. Oh oui, parfait. J'aimerais trop avoir un tiroir comme ça. En fait, j'aimerais trop avoir des tiroirs. J'ai pas de tiroir chez moi. Tiroir, c'est trop bien. C'est grave sous-côté.
Là, tu prépares à son déménagement. Ça rappelle l'importance de bien faire les cartons. Mais j'ai fait un déménagement il n'y a pas longtemps parce que j'ai déménagé. Mon père a déménagé et c'était ma maison d'enfance. Du coup, j'ai déjà déménagé en partie. Hop. C'est pas sous-côté, c'est très bien du tiroir. Ouais, mais je trouve ça sous-côté du coup. C'est des produits. Alors oui, alors ça, il y a un gros débat. Alors moi, je suis désolée, mais pour moi, tous les produits détergents, etc., ça va. Ça va dans la salle de bain. Hein. Ça ne me plaît que très peu, là. Hein. Ah ouais, non, mais chiant, ça. Ça, c'est chiant sur 20, ça. C'est trop chiant. C'est mal rangé, là. Ça va pas du tout. Attendez. Ah, mais j'ai un deuxième tiroir, c'est vrai. Merde. Life cool de 4, avoir des tiroirs. Non, moi, mon objectif, c'est d'avoir une étagère à épices. Oui, ma cuisine, en vrai, c'est le bordel. Mais c'est pas de ma faute. C'est parce que... Attention, hein, vrai argument. Je vais ranger ça après. C'est parce que ma cuisine, elle est séparée en deux parties. C'est pas pratique. Mais qu'est-ce que ton clavier d'ordinateur fout là? Oh! Elle est gauchère? Elle est gauchère. Ah oui, mais là, ça va pas du tout, là. Ça me demande de revoir tout mon rangement. Voilà. Terrible, ça, hein. Pourquoi t'avais pas mis toutes tes assiettes et tous tes bols ensemble? Enfin. Ça, on peut les mettre là. Ah! Petite éponge. Oh! Ça, c'est insane. Mais non, mais au bout d'un moment, tous les artistes sont gauchers. Donc, soit je suis pas une artiste, soit je suis pas gauchère. Enfin, soit je suis pas droitière. Faut pas avoir trop de cartons différents. Faut pas payer plus cher le déménagement. Alors déjà, perso, je ne paye pas mon déménagement parce que c'est... Je fais avec ce que j'ai avec la famille, quoi. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Est-ce que c'est un... Je sais plus le nom. Un truc pour... genre peler les légumes? C'est un épluche légumes? Ok, c'est un épluche légumes, d'accord. Bizarre ton épluche légumes, mais pourquoi pas. Une autre petite tasse. Et un autre verre. Pourquoi tes verres, ils sont pas pareils? T'as aussi des petites assiettes. Non, mais elle me casse les couilles. Hein. Au bout d'un moment. Bon, alors, j'ai compris un truc. Mais ça, c'est trop chiant. Ah, je peux mettre des trucs en haut aussi. Et ça, je suis désolée, ma cocotte, mais tu l'utiliseras quasiment jamais. Hein. Faut se rendre à l'évidence de certaines choses. Ça aussi, d'ailleurs. Voilà, je sais pas ce que c'est, ce truc-là, mais... Ah, c'est une jarre à cookies! Ah, pardon, j'ai rien dit. Un encas. Ok. J'ai eu un. Comment on appelle ça? Un économe, oui, c'est ça le nom. Non, j'ai eu un achievement, un encas occasionnel pour avoir mis la boîte à cookies très loin. Mais j'avais pas réalisé que c'était une boîte à cookies, pardon. Je sais pas ce que c'est, mais on va poser ça là. Du sopalin, c'est important d'en avoir à portée de main. Ah oui, mais alors ça, c'est chiant. Attends. Hop. Ah d'accord, ok, donc là, on a tout, là. Oui, mais je sais que des objets sont mal placés, calme-toi. Bien, nous courons, là. Déjà, ici, ça va pas du tout, faut mettre les trucs les plus grands au fond. Merci. Pas simplement laisser la poêle ici. C'est un peu nul, hein, mais... Pareil, la ponce à découper, si c'est très utile, quand même. Alors, je la pose là. On va déplacer les assiettes. Ah si, tout ensemble. Merci.
Ok, qu'est-ce que j'ai mal placé ici? Ah, faut ranger le... D'accord. J'ai compris. Comment ça, le ballon, il est mal mis? D'accord. Le sac, tu le veux là? Tu le veux où, ton sac? Dans ton armoire? Ah oui, d'accord, ok. Pourquoi pas? Je suis pas... J'ose bannir le pot à cookies. Non, c'est parce que vous pensez, j'avais pas compris que c'était un pot à cookies. Non, mais là, ça va pas. Attendez. Parce que ça, c'est son sac qu'elle utilise tous les jours. Il faut pas qu'il soit hors de portée. Voilà. Là, on est pas mal. Ouais. Peu le dawa, quand même, hein, sur certaines choses. Hein. Moi, je suis pas sûre d'être convaincue. Hein. Voilà. Comme ça, ça me va. Poubelle pas facile d'accès dans la salle de bain. Ah, écoutez, écoutez, voilà. Hein. Dommage. Je dois cuisiner mes repas. Oula. Mood. Pas aux cookies, ça sert à rien, c'est toujours vide. C'est vrai. Faut faire des cookies. Wouah! Ah ouais! Attends, mais du coup, elle est pas chez elle, là? Ah non, je me suis foutu de l'eau partout. Au secours. Je sais pas boire. Pourquoi pas? Ils sont chez elle, la stonk. Non, mais ça, c'est passé. Plus c'est chez elle, là, c'est... Habite chez quelqu'un. Ah ouais, ah ouais. Ah mais elle est en coloc. Je pense qu'elle est en coloc. Pour qu'il y ait plusieurs chambres et certaines où elle n'a pas accès. Oh, ça va être le bordel. Oh, c'est quoi ça? C'est un jeu? On va pas les mettre avec les autres jeux. C'est un DVD, je pense. Petite, petite figurine. Figurine. Enfin... Hop. Bim. C'est un livre, ça. C'est un livre, mais je suis obligée de le mettre dans sa chambre, genre. D'accord. Ah oui. D'accord. Bon, déjà, elle a step up en termes de PC. Incroyable. Ok. Oh! Oh, ça fait du JDR. Eh, je vous l'avais dit que c'était une artiste ou pas? Bim. Ça c'est mon gars sûr. Bon, du coup, on sait que t'es gauchère, t'inquiète. Oh, elle a pas changé de souris depuis 2004. Ni de clavier de PC. Alors oui, alors par contre, du coup, sa tablette, c'est super chiant. Ouais, t'es obligée de la ranger sur le côté. Hop. Ouais. On va voir, on va ranger ça mieux après. Ah. Hop. Toujours le même... toujours son journal intime, ça, du coup. Bon, on va le ranger là. Alors, ce livre-là, il est trop grand, il est chiant. Oh non! Elle a pas de table de bureau. Enfin, elle a pas de petit... de... Pas de table de bureau, n'importe quoi. Pas de table de chevet. C'est terrible. C'est quoi, ça? Ah, d'accord. C'est une photo. D'autres, ses vacances. Ah, ça aussi. Ok. Encore? Décidément, elle part souvent en vacances. Ah. Hop, petit cintre. Je sais que j'ai commencé à déballer un carton là-bas, c'est pas grave. Elle dessine encore des furies, visiblement. J'avais pas déjà sorti ce livre? Mais si, il est là-haut. Attendez. Hop. Bim, voilà. Et donc, ça en fait des carnets. Ah. Toujours du dessin. Hop. Ah ouais, ça step up. Ah ouais. C'est le bordel. On va voir ça après, attendez. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est genre les mini-calendriers, là? Hop. Putain, mais...
Oh, c'est un livre sur l'anatomie. Trop bien. Incroyable. Trop fier. Hop. C'est des cartouches de jeu, ça? Oui, je pense. Ok, il va falloir qu'on fasse un espace pour le jeu. Encore un livre? Ok. C'est bon? Ça, 100%, c'est sa tour de PC. Ah! Mais c'est toujours la même! Tu te fous de la gueule de qui? Attendez. Hop. Voilà. Le bruit que ça fait. L'anatomie? Ah. Comme une personne. Ah, toujours le même petit. Oh waouh, trop stylé! Oh bah, je sais pas ce que ça veut dire, mais c'est classe. Ah. Hop. Le tiroir à culottes, évidemment. Cette fois-ci, vous savez quoi? Je vais les mettre dans le bon sens, parce que je suis une personne respectable. C'est des chaussettes, ça, non? Hop. Hop. Un diplôme de l'ECV. Et qui sait, hein? Vous savez que du coup, ma remise des diplômes, potentiellement, elle sera que en février prochain. C'est une jupe? Attendez, hop, on va mettre les hauts en haut et les jupes en bas. Voilà. J'aime pas du tout les armoires qui sont profondes comme ça. C'est une tannée pour ranger des trucs. Ah, là, plus beaucoup d'espace pour mettre ces posters. Hein. Ça me fume qu'ils aient pensé à toutes les animations. Oh, les jeans un peu écorchés et tout, là. J'ai eu les mêmes. Un frisbee! Putain, on a une sportive dans la team. Bon, on va voir ce qu'on en fait. C'est des chaussures, ça? Elles sont hyper bizarres, tes chaussures, hein. Je tiens juste à te le dire. Je suis désolée. Bon, ça, je vais peut-être le ranger autre part, on va voir. Vachement chelou, hein. Hop, bim. Hein? Quoi ça? Elle est sportive ou elle a un chien? Je pense qu'elle est sportive, elle avait quand même un ballon de foot. Hop. Hop. Ah, le sac. On le rangera autre part. Merde. Hop, hop. Hop. Petit polo. Petit chemisier. Ah là, toujours la même chemise. Petit tablier. Pourquoi pas. Parce que tu fous avec un tablier, mais... C'est un tapis de yoga, ça? On dirait bien un tapis de yoga, hein. Ça, j'imagine que c'est des trucs de pyjama. Oui. Ça, elle l'avait avant, c'est toujours le même petit haut. Ah, la poubelle de la salle de bain. Ah, mais ils ont déjà une poubelle ici. Ça va devenir une poubelle de chambre, du coup? Bon, pour le moment, on va dire que oui. Le Zolter. J'avais dit qu'elle était sportive. Ok. Je sais pas où je vais pouvoir tout ranger, j'ai toujours pas compris qu'est-ce que c'était que ce truc-là, là. Une casquette avec ses... Non, mais c'est toujours avec les citrouilles, là. Je sais pas c'est quoi cette histoire de citrouille, mais... Ça doit être son taf, elle doit taffer un endroit en particulier. Hop. Ah, toujours le même petit livre. Je sais pas c'est quoi ce livre, mais elle le trimballe depuis... Depuis qu'elle est toute petite, hein. C'est mignon. Hop. Non. Non. Hop. Paf. En fait, elle a des très très longs pieds, quoi. Range tes chaussures proprement, je t'en supplie. Oh là là. C'est bon. Oui, alors celle-ci, elle a beaucoup de paires de chaussures. Hein. Elles vont pas toutes passer ici. Déjà, de base, qui range ses chaussures dans sa chambre? Vous rangez vos chaussures dans votre chambre, vous? Moi, non. Hein. Les chaussures, elles sont dans l'entrée, tu vois. Alors, normal. Hop. Bon, d'accord. Pareil, oui, voilà, on est d'accord. Hein. Bizarre.
on acceptera parce que c'est elle, mais bizarre quand même, quoi. Chaussures devant la porte. Oui, voilà, on est d'accord. Ah, merde. Hop. Jupe. Chemise. Ah, mais je peux plus mettre des chemises là, je peux mettre que des pantalons. C'est bien chiant. Bah, attendez, on va y mettre les deux jupes. Du coup. Hop. Bim. Voilà. Max de t-shirt. Merde. Peut-être essayer de mettre... attendez. Là, j'ai l'impression qu'elle a un ensemble, en fait. Avec le tablier et tout. On va tout mettre ensemble. Voilà. Hop. Ya. Yeah. Oh. Ah oui, mais non. Attendez. Ok, ça, c'est son ensemble de travail. Paf. J'enlève la casquette. Tac. Tac, voilà. Peut-être c'est la norme en Australie. C'est un jeu australien. En studio, chose devant la porte est égale à chose devant la chambre. Ça, je veux bien le croire. Hop. Ça, je veux bien le croire. Après, bon... je peux pas le mettre... Ah, si, je peux mettre des trucs sous le lit. Je peux pas mettre ça sous le lit, par contre. Mais ça, c'est vrai. Bah, moi, c'est mettre les chaussures... Enfin, les chaussures, je les mets dans mon... Comment on appelle ça? Ce livre-là, il y a vraiment pas moyen que je le mette autre part. C'est giga chiant. Non, attendez, ça va pas. Ça va pas du tout. Hop. Et là, les crayons, si je les mets là, ils sont devant le bureau, c'est pas ouf. Ça, je peux le mettre dedans, non? Bon, ils sont là où les crayons. Ouais. Ok. Donc, tu peux parler du Queensland. Oui, c'est vrai, tiens, c'est vrai. Je travaille dans un magasin de fruits et légumes, je pense, hein. Hop. Mais, ouais. Salut, monsieur Pahul. Et merci beaucoup. Bonjour, les gens diplômés et les autres. Ouais, vous savez que dans notre classe, finalement, tout le monde a eu le diplôme. C'était un peu short, mais tout le monde l'a eu. Ah, purée. Un bol pas rangé, c'est définitivement une coloc, hein. Ah, mais attendez. J'ai laissé des trucs qui allaient pas sur le lit, là. Bah oui, j'avais zappé. Ouais, mais ton radio-oreille, je fous, maintenant. Putain. Ça, c'était quoi? C'est des cassettes de jeux? Et t'as des haltères et tout, t'as trop de trucs, hein. Ça va pas, hein. Ok. Les trucs de sport, on va les mettre en haut, comme ça c'est du sport d'aller les chercher. Ça marche, non? Petite idée. Et ça, mais ça me casse les couilles, hein. Je laisse par terre, voilà. Vous allez vous faire foutre. Non, mais qui met son radio-réveil autre part que à côté de son lit sur une petite table, quoi. Bon, Jackie a un radio-réveil de nos jours. Bref. Du coup, c'est quoi ce jeu? Ça s'appelle Unpacking. En gros, on découvre l'histoire de quelqu'un en faisant ses cartons à chaque fois qu'il ou elle déménage. Personnes non diplômées sont autorisées sur ces streams. Oui, tout va bien. Évidemment. Pas quelqu'un comme ça, moi. Je connais pour qui. Oh, c'est des gros jeux, c'est des gros livres de JTR et tout, là, hein. Je reconnais, hein. Oh. Elle rejoint la troupe. C'est une barde. C'est un bouquin de dessin, ça. Bah, elle est là. Hop. Bam. Alors. Oh, petit panda. Ah, la fameuse figurine Tour Eiffel. Hop. Le petit bus. Petite tour de Pise. Putain, elle voyage, dis donc, hein. Encore un livre. Oh, attendez.
Ouais, mais d'accord, mais je viens de tilt en fait qu'elle avait un bus aussi parce qu'elle avait voyagé. Hop. Ah, petite peluche chat. Elle va rejoindre les autres ici. Voilà. Oh, c'est une poule. Elle est trop mignonne. Oh. Ah. Voilà. Attendez, lui, faut qu'on arrive à le mettre bien en évidence. Oh oui. Oh. C'est une néo-zélandaise, on dirait. Bah, c'est possible. Hop. Mais ils ont même... Ça, c'est une petite tour pour jouer au jeu de rôle. Tu mets ton dé dedans et il retombe en bas et ça pose le dé. Donc du coup, ça, mais ils ont des fiches de jeu de rôle et tout. Oh là là. C'est des nerds. Dans une maison de nerd. Qu'est-ce qu'elle fout là, ta chemise, putain. Oui, mais du coup, j'avais pas prévu d'avoir une chemise. Bon, bah, ce chemisier-là, hop. Bam. Voilà. On était où? Bim. Oh, c'est que là, on a des affaires. Hein. Oh. Il est trop stylé, ce cadre. Oh, la petite manette. Oh! C'est quoi, c'est une GameCube? C'est une GameCube, hein. Insane. C'est encore un jeu, ça. Oh, les gamers! Oh! Oh, c'est un plaid! Alors ça, j'approuve. Une nerd couturière. Je sais pas si c'est à elle, les affaires de couture. Hein. Merde. Visiblement, c'est pour faire du cosplay, je pense. Je sais pas si c'est à elle ou si c'est à quelqu'un de sa coloc. Tableau de danse. Oh, la musique. Bon, la musique, ça c'est pour tout le monde. On va pas la laisser dans la chambre, la musique. Ah, mais ça c'est chiant par contre. Sinon on met là le poste de musique. Ouais. Elle a ramené ce truc abominable là, mais quelle idée. Bah voilà, eux aussi ils mettent les produits ménagers ici. Merci. Aïe. Hop. Et d'autres cartons ici encore. Oh la vache. Quel bazar. Petit mug. Petit torchon. Elle a tout ramené, ma parole. Ah, ils mettent les torchons ici, eux. On va les mettre ici aussi, alors. Hop, on se plie aux règles de la communauté. La DA est sympa, je trouve. La DA est trop mignonne. J'aime trop, c'est super beau. C'était là avant, donc ça colloque logiquement. Oui, c'est vrai. Oui, donc oui. Quoi, je peux pas les mettre tout en haut? Oh. Bon. Après, c'est des cookies. Est-ce que je les mettrai pas dans ma chambre? Qui, quand même, hein. Petit couteau ici. Hein? C'est quoi ça? C'est un petit quoi là? Ah, c'est un magnet. C'est des magnets. C'est trop mignon. Venu sur le matin de clôture, il y a une vibe Sailor Moon, non? Un peu. Ça fait quand même très armure. Hein. Je sais pas. Hop. Un peu. Faut que je pense à prendre des pauses, moi. À quelle heure j'ai commencé? À 15h. Bah, je vais peut-être pas tarder à prendre une petite pause. Hop. Petite assiette, petit bol. Je pense qu'on fait ce rangement de chambre là. Enfin, d'appart là. Et ensuite, petite pause. Je pense que c'est un jeu très facile. Enfin, très rapide. Je pense que c'est un jeu qui va se finir en un stream, hein. Les casseroles, où est-ce qu'ils rangent ça? Ici? Ouais. Ah, ça c'est une serviette, je reconnais. Hop, bim. Ah, le fameux. Qu'est-ce qu'il passe? Ah, il passe là. Hop. Produit d'entretien. La trousse qui va dans la salle de bain. Oh ouais, parfait. Non! Hop. Est-ce qu'elle a un tiroir à elle, genre? Ah. Oui, il y a notre tiroir. Ce sera lui. Incroyable. Sam Design est bien foutu.
Technique, c'était un magnet au son. Oui, et puis surtout parce que je me suis dit, mais où est-ce que ça peut être? Je voyais que quand je le déplaçais à certains endroits, il tournait sur le côté comme ça. Du coup, je me suis dit, ah, ça doit être ça. Mais ouais, le sound design est vachement bien. Mais tout est vachement bien. Mais attendez, il y a un truc à couteau ici. Je pouvais pas mettre mon couteau là? Non, je peux pas. Ok. Du coup, je la fous, ma spatule de mort, là. Là-haut? On sera là-haut. Chiant! Planche à découper. Ok. Bon, ça va. Jusque-là, on est ok en vrai, ça va. Alors. Il y a des trucs à faire dans la salle de bain. Bim, petite brosse à dents. Petit dentifrice. Petit rasoir. Et rassurez-moi, vous posez pas vos brosses à dents comme ça, vous. Remarque, je le fais moi parce que j'ai pas de gobelet. En vrai, c'est un peu horrible. Les animes sont tellement fluides. Non, mais grave. Puis en vrai, c'est hyper drôle, genre... peut-être pas là au début, mais des fois, quand tu... genre... Tout à l'heure, j'ai fait ça sans faire exprès. Je l'ai mis là. En vrai, c'est hyper drôle. Genre, c'est drôle que tout coince et que ça fasse... qu'il y ait des petites animations pensées exprès pour. Je trouve ça trop mimi. Oh, la petite trousse de maquillage. Oh, attendez, ça, je sais pas où on va la laisser. Quoi, ça, c'est des médicaments? C'est du petit vidéo, petit parfum. Ah ouais. Ah oui, voilà, j'allais dire, je peux le mettre là-dedans, ça, quand même. Putain, les... Oh, les machins de gel douche, là. Ça m'a pas des machins de gel douche, je sais pas ce que c'est. Shampoing, après shampoing. On va mettre les serviettes et les tampons avec ceux de notre besta. C'est un désodorisant. Faut le caler à côté des toilettes. Sur les toilettes. Allez, c'est parti. Non, mais ça en fait, ce qui m'emmerde, c'est son... sa trousse à maquillage. Ou alors, je mets ça là. Et je mets sa trousse à maquillage sur le côté. Ouais, voilà. Là, comme ça, c'est pas mal. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste? Ah oui. On reste des trucs ici. Deux brosses à dents dans la même tasse, ça sent la coloc intime. Bah, j'ai l'impression, hein. J'ai l'impression que ça s'entend bien ici. Oh, du jeu de société. Et voilà, alors lui il est mal rangé. Putain, mais alors lui il faut que je le foute où? Je peux le mettre là-haut genre? Je le mets à la place d'une figurine? Ok, d'accord. Qu'est-ce que j'ai mal rangé d'autre? Oh non, la spatule elle va pas en haut. Oh non, faut que je la mette dans un tiroir. Mais ça passait pas! Ça passait pas dans les tiroirs. Pourquoi vous me faites ça? Comme ça? Ah, oui. Nice. Dans la salle de bain aussi, j'ai mal rangé des trucs. Mais ça va où, ça? Faut que je le mette là-dedans? Ok. Ils aiment bien que les choses soient dans des placards. Hein. Oui, bon, bah ça, je m'en doutais que t'allais me faire chier avec. Et lui aussi? Mais lui, je peux le mettre nulle part, il est trop grand. Casse les couilles, ton livre. On connaissait une macoloc, ouais. Elles étaient roommates, quoi. C'est des bidons de soude pour dessoudre les cadavres. Mais où est-ce que je suis censée le foutre, ton livre à la con? C'est pas un calendrier mural? Bah non. Visiblement pas. Pas mettre un truc sous le lit. Non, ça marche pas. Je suis d'accord, hein, c'est la vraie règle, hein, mais là, visiblement, non. Putain, mais tu veux que je le foute où, ton vieux livre de merde? Ah, mais attends, j'avais pas vu que... il y avait des jeux de société ici. Ah! Let's go! C'est dans le carton de salon de base, non? Bah, visiblement, oui. Insane. Gardonne. Oh, on a un petit dévin. Ouais, sur ce, je vais me prendre une petite pause. Les soirées cinéma vont être incroyables.
Eh ben, on n'en doute pas. Cependant, petite pause de 5 minutes. Hop. Bam. Bam. On pourra reroll tous les consommables de la room. J'ai envie de jouer à Isaac, là. C'est un petit côté satisfaisant que tu réussis à ranger. Ouais, non, mais ouais, c'est hyper satisfaisant comme jeu. Hop. Le bot est cassé. Ah non, je l'ai pas vérifié au début. Donc oui, le bot est cassé. Attendez, je le remets en marche. Quand je stream pas pendant longtemps, il a tendance à disparaître. Attendez, c'est imminent. Hop. Cloudbot. Bim. Et c'est bon, incroyable. Streamlabs est de retour. Ok. Tac. Bon. On se retrouve dans 5 petites minutes. Pensez à aller boire, à passer aux toilettes, à vous étirer. Toutes les choses trop cool. Voilà. Et on se retrouve tout de suite. À tout de suite.
Et on est reparti. Hop. Je vais quand même reboire un dernier petit coup vite fait. Ah. Encore des cheveux dans les yeux. Hop. Je me rends pas du tout compte du temps de jeu qu'il y a avec ce jeu, mais à mon avis, ça va assez vite, je pense. Je sais pas. Alors. 2010. J'ai bien mis mon micro, tout va bien. Hop. Alors. Waouh. C'est bon, on est chez quelqu'un qui est... Ah, qui aime encore les insectes. On est chez la personne qui aimait bien les insectes. Il y avait un truc de papillon. Et qui visiblement aime bien le rock. Tout en sachant rester zen. J'aime pas du tout sa déco. Voilà. Petit avis perso. Hop. Max de bouquin. C'est un jeu, ça. Ou un film. C'est un film. Ça va aller encore dans notre chambre. Hein. Ah, quoique. Ah oui, d'accord, on a une chambre en commun. On a un bureau ou pas? Salle de bain. Cuisine. On n'a pas de bureau. D'accord. Bon. Pourquoi pas? Moi, j'aime pas la déco, hein. Y'a pas à dire, hein. Ah! On a gardé notre petite figurine de jeu de rôle. C'est mignon. Hop. T'en as peut-être déjà parlé, mais du coup, si je comprends bien, t'as fini tes études, et du coup, comment vont s'organiser tes streams? Alors, pour le moment, ça va rester chaotique, en mode... je stream quand j'ai envie, tout ça, tout ça. Après, j'aimerais bien essayer de streamer beaucoup plus régulièrement, à partir de maintenant. Ah, si, on fait de la musique, nous aussi. Et on a pas de porte-ukulélé, genre? On va être obligé de le mettre... Bon, on verra après. Coloc intime avec un rocker. Ouais, je pense qu'on a emménagé chez notre copain, copine. Oh là là. Ah, chez un copain, visiblement. Ah, il range mal. Il range super mal. Oh, j'aime pas du tout. Oh, je sens que je vais pas l'aimer, lui. Ah oui, ça, c'était des portes. Ça, c'était des portes de... Ok. Est-ce qu'on a des tiroirs à nous, quand même? Oui. Ok, ça va. Ah. Mais donc, moi, je vais devoir chercher un taf. Hein. Ça va dépendre si je trouve un taf, etc. Sur lequel je dois être présent, je sais pas, 8h... on va regarder ça après. Si je dois être présent, voilà, 8h... 8h, 18h et tout, forcément, les streams vont pas reprendre de manière plus... Je peux ranger ses affaires à lui, genre. Ah ouais. Bon, en même temps, il faudrait, hein. Il va le ranger ici. Déjà, rends-moi ça. Je peux ranger tous ces... Oh, sérieusement. Hop. Voilà. Ah. Je peux même faire mieux que ça. Pareil en dessous. Hop. Voilà. Merci. Hop. Après avoir étudié tes rangements, je te quitte. Il a l'air boring rien qu'avec sa déco et ses fringues. Non mais clairement. Hein. Il a l'air... Ah vraiment, je... J'espère qu'on va pas rester longtemps avec lui. Hein. Ouais. Alors j'ai pas de bureau pour dessiner. Je sais pas où je vais mettre toutes mes affaires de dessin. Hein, parce que... Visiblement, il n'y a pas d'espace pour moi ici. Hein. Oh, on a upgrade là, ça y est, on a... Un vrai MP4, MP3, je sais pas. Hop. Bref, je m'accorde des vacances quand même. Bah là, ça va être... Là, j'ai quelques petits jours. Je suis en mode un peu repos. Un peu, je fais ce que je veux. Après, moi, j'ai une problématique qui est pré-étudiant. Hein, donc forcément, il faut avoir énormément de temps pour me reposer. Néanmoins, je peux déjà vous dire que je serai pas là du 15 juillet au... Je sais plus, enfin je serai pas là pendant une semaine, donc du 15 juillet à la semaine d'après. Je serai pas là, je prends des petites vacances à ce moment-là. Voilà. Mais sinon, on verra. La recherche d'emploi, c'est un peu des vacances. Ouais, bah... Voilà, hein.
petite peluche, il commence à avoir... à être abîmé, hein. Hop. Ah. Hop. Ah non. Pas beaucoup de cintres, hein. Alors là, jouer serré sur les cintres. Ah bah on taffe encore au même endroit, là? Mais non. Oh! Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un caleçon? C'est un maillot de bain? Ah, ça va là, monsieur. Comme ça, je peux ranger mes jeans. Merci. Non, mais c'est quoi ça? Jupe. Je peux la mettre là-haut, ma jupe. Il me plaît pas beaucoup, hein. Je sais que je l'ai déjà dit, mais je leur dis, il me plaît pas beaucoup. Il m'embête grandement. Voilà. Je peux pas mettre de deuxième jupe là-bas? Ah! Oh, il a un costard cravate et tout. Il a l'air giga boring. Bref. Hop. J'arrive que maintenant, mais bonjour et félicitations. Merci Oslo, salut à toi. Pas bête, on est sur une piste, je sais pas. Perso, la période de chômage, je l'ai pas du tout vécu comme des vacances. Ah oui, non, mais clairement, ça va pas être réellement des vacances. Hein. Ça, je le sais, malheureusement bien. Colle un peu tes chaussures pour que je puisse mettre les miennes, s'il te plaît. Pas gentil. Non, mais... Hop. Petit cintre en plus. Ah voilà, moi j'ai des cintres colorés, moi. Je suis une personne fun. Les os, hein. Oh! Petit pull un peu mignon, là. Hop. En recherche d'alternance, je le vis pas comme des vacances non plus. Bah voilà, clairement, ça va pas être... pas être une période de giga gros fun, mais... On peut rien mettre sur les murs ici, vas-y. Et là non plus. Y a vraiment pas de place pour moi dans ta vie, hein. Qu'est-ce que je fous avec ce type? Faut que je me casse, hein. Et vite. Sérieusement. C'est quoi ça, là? Chaussures? Il va même pas y avoir assez de place pour mes chaussures. Je vais les mettre dans le fond. Y'a de la place nulle part. Secours. Je suis sûr que là je peux même pas mettre ça et la casquette par dessus. Non mais voilà. Comment vous voulez ranger proprement Ouais. Bon, je reviens hein. Parce que là ça va pas. Oula. Monsieur automodéré, qu'est-ce qu'il a fait? C'est quoi le principe du jeu? Le principe du jeu, c'est qu'on range nos petites affaires. Et en gros, à chaque fois, en fait, on suit la vie d'une personne, visiblement. Putain, j'ai une brosse à dents électrique. Oh. Oh non, mais vraiment! Oui, donc on suit une personne. Oh, il est fêlé! Qui vit sa vie et on vit chacun de ses déménagements. Bon, je reviens. Et du coup, on doit ranger toutes ces petites affaires, voilà. C'est un jeu tout mignon. Un jeu mignon un peu fun. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Bon, bref. Visiblement, actuellement, elle doit être en couple avec un homme, et c'est... Ça a l'air d'être le mec le plus chiant de la Terre. Voilà. On en est là. C'est si mal rangé! Oh, ça me plaît pas du tout, hein. Je vous le dis, ça me plaît pas du tout. Ça sent la douche. En vrai, les serviettes et les tampons, je pense qu'il va me dire que c'est pas bien, mais moi je les mets à côté de mes toilettes. Hein. C'est ton patron qui t'héberge, c'est sûr. On peut supprimer ses propres messages. Alors, non mais oui, il y a un... Quand on fait point d'exclamation douche... Même pas la place pour tous mes trucs en haut là. Après point d'exclamation douche, on est autoban. C'était une référence à un vieux truc qui se passait sur mon stream
Parce que sur mon ancien stream, quand on tapait... Il a même pas de poubelle dans sa salle de bain. Et vraiment, hein. Eh, vivement qu'on se barre d'ici, hein. Y'a rien qui me plaît ici. Voilà, je tiens à le dire. J'ai de la place pour rien chez toi. C'est nul. Ça me déplaît énormément. J'ai la trousse de soins, on va la mettre au fond là. J'ai vu que je pouvais... Non ? D'accord. Hop. Voilà. Bon. Donc du coup, oui, on peut time out tout seul. Voilà, c'est ça que je voulais dire. On fait pas de close shaming, mais ce mec est détestable. Tu rigoles, un gars comme ça, il te laisse... jamais il te laisse ranger les tampons en évidence. Ouais, non, mais c'est sûr. Hein. Le total time out avec l'évocation du fait de se laver nu sous l'eau. Avant, il fallait un... Oui, non, oui, maintenant, il faut un point d'exclamation quand tu fais ça, c'est un... C'est une commande. Voilà. Donc oui, on peut enlever ses propres messages. Donc. Oh, vraiment, mais c'est immonde ce tableau-là. Qu'est-ce que ça fout, là? Donc ça, j'imagine que c'est une petite photo de nous deux, c'est mignon. Mais quand même, hein. T'as pas ma sympathie. Ah, les petites cuillères doseuses. Oh là là, mais quel mec ennuyant. Oh. Ah, vraiment, tout est laid ici. Je sais pas ce que c'est ça, mais on dirait du poivre. C'est des épices, quoi. Ah! Hein. Des tuiles. Encore des épices. Je range un peu tout en vrac hein, pour le moment. Hein. Vous inquiétez pas, ça sera mieux rangé plus tard. Hein. Oh, une petite photo qui commence à s'abîmer aussi. Ah, ça doit être mes colocs. Ça doit être mes colocs, trop mignon. Hop. N'ai pas acheté de cuillère doseuse. Non, bah c'est très bien, hein, mais... Où est-ce que tu ranges tes torchons, toi, à part ici? Ouais. Oh! C'est mon PC, ça, genre? Ça va, il y a de la place pour mon PC quelque part ou j'ai pas la place. C'est fou ça, j'ai pas de bureau. Où est-ce que je vais dessiner? Eh, j'aime pas du tout, hein. Je vous le dis, j'aime pas du tout. Ah, j'ai une nouvelle tablette. C'est une tablette? C'est pas une tablette, si. Si, c'est une tablette, ok. On va regarder ça après, hein. Tes colocs qui t'avaient dit de pas t'installer avec lui, bah clairement, hein. Clairement, là, c'est l'erreur d'une vie, là. Ah. Super, ça, je sais pas où le ranger. Ça non plus, on va le voir après. Ça, c'est dans la salle de bain, que ça fout là. Hop. Ah. Bah voilà, bah nous on a des magnets, parce que nous on est fun. Alors que toi, mon gars, rompiche sur 20. Oh là là. Enfin, y a trop de bordel, hein. Oh, on a mis le truc à ranger. Regardez-moi ça. Ok. Passoire. Je peux le ranger là-haut, non? Non. Ça, ça ira là-haut. Voilà. Hop. Bam. C'est un mixeur, ça? Et qu'est-ce que c'est que ça, là? Qu'est-ce que ça fout, là, ce truc? Je sais même pas ce que c'est. Qui a un évier au centre de sa cuisine? Merde. Attendez. Pourquoi est-ce que bride? D'accord. Selon Twitch, bride, c'est un mot interdit. C'est pas grave. Tout va bien, tout va bien. Il bride ta créativité, bah clairement, hein. C'est une ardoise de frigo. Sûr, avant que t'arrives, le mec, il avait juste une fourchette, une assiette et un couteau. Je vais pas vous mentir, il est possible que mon mec actuel n'avait
n'avait pas notamment de verre chez lui avant que j'arrive. Et donc, offert des verres. Je sais pas où ranger tout mon bordel, moi, hein, avec tout ça, hein. Il range trop mal toutes ses affaires, c'est horrible. Je le déteste. Je vous jure, je vais réussir à caler ça là-dedans. Hein. Ah, voilà. Copain du perso qui prend... du jeu qui prend tellement cher. Non, mais c'est vrai, au bout d'un moment, excusez-moi, mais... Hop. Pas ma faute, hein. Alors, je dirais un oui, hein, ça fait... Ça fait très rangé, propre chez lui, mais... Donc c'est chier, quoi. Hein. Bon, petite gourde, je vais mettre ma petite gourde à côté de la sienne, là. Faut pas ranger ton mixeur. Faut pas ranger son mixeur de merde. Alors qu'on peut ranger la bouilloire. Je vais pas la ranger, la bouilloire, ce serait stupide. Bouilloire qui est à côté d'aucune prise électrique, mais bon, écoutez... Moi, je suis plus là. Hein. Oh, il reste plein de cartons. Oh, sa mère. Ah, il n'y a plus de place pour mettre ça là-bas. Ok. Super bouquin, ça. Hop. Bam. Et dans un bol ou au robinet, ça passe. Non. Ou dans une tasse. Ouais, enfin bon... Non mais du coup, il buvait dans des assiettes carrées, c'est l'angoisse, non? Ah non, mais grave. Et mais non, mais après, tu vois, tu peux boire dans un... En effet, tu peux boire dans des tasses ou dans les bouteilles ou des trucs comme ça, mais bon. Je me rends compte que je suis un peu basse par rapport à ma caméra. Je me baisse un petit peu. Ouvrir les fenêtres? Peut pas. C'est un pont connu qu'il y a derrière là, non? Oh la petite poule! Poule. Oh la vache. On en a du bordel, hein. Oh, ça va être compliqué. Ah ouais. Ah ouais, ça va être dur, hein. Ah ouais. Ouais, ça va être le bazar. Hein. Ok. Je sais qu'il y a plein de trucs que j'ai pas encore bien rangés, hein. Tranquille, on verra après. Oh! Il y a un deuxième poussin. Ah bah ça, c'est pour prendre la guitare, là. Hop. Petit carnet de musique. Ah, un plaid. Encore un petit carnet de dessin. Aussi, je compte ça comme un carnet. Oh la vache! Je dessine, hein? C'est quoi ça? C'est encore un DVD? Je pense que c'est encore un DVD. Qu'est-ce qui me casse les couilles? Ah, mais c'est le dé! C'est le dé. Quoi? Je peux rien caler là, genre? Merci! Hop! Non mais. Oh, il a des vinyles, il a un lecteur vinyle! Oh la vache! Oh, on rompiche fort ici! Hop! Oh! Encore un poussin! Attends, mais on a combien de poussins? J'ai plus la place pour rien, moi! Secours! C'est ce qui avait déménagé au prochain niveau, oui, normalement, oui. Tu peux mettre ses affaires à lui à la poubelle pour faire de la place? Ok, bon. Console. Je peux pas passer sa console sur...
Non, d'accord. Bon, on a plein de trucs qui sont pas rangés, ça va être l'enfer là. Il nous reste pas mal de bouquins. Oh, elle s'intéresse à la typographie. Trop stylé. Ça c'est ma queen, ça. Incroyable. Ok. Bon. Alors. Oui, je sais qu'il y a plein de trucs qui sont pas bien rangés. T'inquiète. On maîtrise. Alors c'est là que ça devient compliqué. On est obligé de faire le rangement chez lui à sa place quand même. Hein. Je me permets de préciser. Hein. Quand même dramatique. Ah! Petit bus. Voilà. Ah mais ça, je vais être obligé de le foutre... Putain, je sais pas où je vais le mettre. Ah, je peux rajouter des trucs là. Non, il passe pas, hein. Non, il passe pas. Peut-être pour l'enfant, genre avoir un bureau à soi, pas pour la rupture, quoi. J'ai pas tout suivi. J'ai du mal à vous suivre. Le bashing est réel. Je suis fou de me dire que des mecs comme ça existent. Après, en vrai, là, ça va. Hein. Je force un peu. Hein. Il est ok. Pas ouf, hein, mais ok. Ça peut pas être ici? Quoi? C'est censé être où alors? Ah, d'accord, ça peut être là. Mais ça, c'est une tablette, on est d'accord? Ah, ça n'a pas le droit d'être ici? C'est quoi? C'est des dessous de verre, ça, non? Bon, il passe ici alors, ça me va. Maman poussin et ses bébés. Pas ici, hein. Oui. Allez, du coup, qu'est-ce que je fais des trucs qui me restent, là? Il me reste une guitare, il me reste... Oh! C'est un ukulélé. Et alors ça, qu'est-ce que je peux bien en foutre? J'arrive pas à savoir où ça se range. Ok, on va voir après. Ah oui! Alors oui! Ah. Ok, je crois que j'ai compris. Hop, hop. Non? Faut trouver un endroit pour le mettre dans le salon, ça? Non, mais je vais pas l'afficher dans la cuisine, mon diplôme. Il est dans la salle de bain. Attendez, mais c'est quoi cette vanne? Genre, là, vous me dites, je peux pas afficher mon diplôme. Je peux rien déplacer de ce qu'il y a au mur. Je peux pas déplacer ça. Le jeu où tu peux pas laisser traîner par terre. Du coup, les lits sur une enceinte? Non, je crois pas que je peux les mettre, j'ai déjà testé. Plus une ardoise de frigo que de tablette? Ah. Peut-être. Ah, en effet. Attendez. On va mettre les magnets plutôt en bas. J'aurai besoin de place. Voilà. Voilà. Ok, nice. Bien joué, hein. Contempler son diplôme en étant assis sur les WC. Mais ça, alors, je comprends pas où est-ce que je suis censée le mettre, hein. Visiblement, je peux le mettre nulle part dans la chambre. Pardon ? Sous le lit ! Mon diplôme ! Mon beau diplôme tout encadré sous le lit? Eh non, mais on se casse d'ici, hein. On se casse d'ici, hein. Allez. Allez. Ouais, ouais, c'est ça, ouais, la super guitare, ouais. C'est quoi ça? Non, mais... Ça semble si sérieux de s'installer chez lui? Pas trop sérieux, si tu veux, mon avis. 2012, allez. C'est pour être le faire voler. Oh! On est de retour dans notre chambre d'enfant. Oh
on est retour chez papa-maman. Aïe. C'est un message subliminal que ton mec en a rien à foutre. Ah bah, visiblement, hein. Ouh, ça par contre, c'est un peu dur, hein. Ouh, le retour chez les parents, pas évident, évident. Et visiblement, je couds, hein. Bon. Ouais, y a des moments qui sont moins évidents dans la vie, hein. C'est comme ça, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Pas grave. On va s'en remettre. Hop. C'est quoi ça? C'est un truc de jeu, non? On va voir après. De bonbons? Ouais, ok. Hop. Dur le retour à la maison, ouais. Efficace cette narration manualiste en vrai. Oui, non, mais grave. En même temps, vu la dégaine de l'appart, d'avant, c'est pas si mal. C'est des ceintures de karaté? Ah, c'est possible. Je connais rien en karaté, donc je vous avoue que je sais pas. Avec la petite musique un peu triste, là. On s'est fait larguer, hein. On s'est fait larguer par l'autocar, hein. Et on est triste. Putain. Comment on a pu tomber aussi bas, moi, je... Je regarde un petit peu tout ce que j'ai. Hein. Hop. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai là-dedans? Oh, des vieux jouets et tout. Oh, je suis toujours mon... C'est trop mignon. Ah oh, bah attends, mais ça je le veux, mon poster. Bah oui. Tu m'as pris pour qui? Redécouvert son enfance, vous avez rescapé un poster oublié. Bah ouais, attends. Hop, petite peluche, ça va sur le lit, hein. Prenez pour qui, hein. Hop, max de peluche sur le lit. Bon, j'avoue que ça fait quand même dur, hein. Le retour chez les parents, doit faire un peu mal. On a toujours notre tablette, on a toujours notre petit PC portable. Notre boîte à crayons. Boîte à crayons bis. Ok, bon. Hop. Oh! Joyeux diplôme, merci beaucoup. Merci beaucoup, Boris. Merci pour les 500 bits. Merci à toi. Et bonjour. Largué pour une plus jeune. C'est sûr. Hein. Trop dur. Hein. Bah, attendez, mais avant, j'avais une penderie pour ranger mes vêtements. Où est-ce que je range mes vêtements, maintenant? Bon. Écoutez, on va voir. Hein. Et j'ai un max de bordel. Ah, j'ai toujours la poule avec les petits enfants. Incroyable. 1, 2, 3, est-ce que j'en ai un quatrième? Non. Ah, j'ai une bouillotte. Toujours le petit livre de mon enfance. Ah, si, j'ai un quatrième poussin. C'est ce que je me disais. Le tapis de yoga. Ah, toujours lui. Mon diplôme. Eh non, mais je veux l'afficher, lui, par contre. Hein. Bientôt en train de hype. Merci pour les 11 mois, Palp. Merci à toi. C'est adorable. Eh oui, j'avoue, hein. Hype train... Hype train is close. Attendez. Attendez. Eh mais je voulais afficher mon diplôme, hein. J'ai encore pas le droit de l'afficher? C'est trop nul. Trop nul, ce jeu. J'en fous le bordel après, hein. Ne vous inquiétez pas. Ok. Max de livres. Mes petits potes. C'est une photo de moi avec mon ex, visiblement. J'ai mis une punaise sur l'ex en question. Bien joué. Attendez, hop. Bon. On fasse un peu de rangement ici. Hop. Non, ça je voudrais le mettre. Voilà, merci. Je vais mettre ma DS ici. Qu'est-ce que je peux caler là-dedans? Sûrement pas mal de choses, hein. Hop. Ça, je vais le caler là. J'ai un max de bouquins. Non. Okay, alors, je les prenne un par un si je veux les mettre dans le bon sens. Je peux pas les mettre dans le bon sens, là? Attendez. J'ai eu des trophées de foot, quand même. Aux forces. Hop. Bim, voilà. Hop.
juste de la place pour ce livre-là, quand même. Ces deux-là, je sais pas où je voulais les foutre. Hein. Hop. Tac. Mon PC. Tac. Je trouve un coin pour ma toilette. Du coup, je me retrouve travailler parce que j'aime l'argent. Bah, moi aussi. Bon, la punaise, je lui donne un peu de couleur. C'est vrai. Il en manquait. Il n'y a pas à dire. Popopo. Po, po. Je peux laisser la bouillotte sur le lit? Je pense que si, hein. Tac. Oh non! Y'a plus de bruit! Ok. Bon, j'ai fini de jouer, c'est bon. Mais des bruits trop mignons. Mes haltères, je sais pas si je peux les laisser par terre. Non, on va les mettre là. Hein. Hop. Tac. Hop. Hop. Tablette. Bon. On va dire que c'est pas trop mal. Je sais pas où j'ai rangé mes fringues, hein, du coup, mais... pourquoi pas. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un truc contre la douleur musculaire? Aïe. Qui met sa poubelle en dehors de la salle de bain? Qui fait ça? Bizarre, hein. Eh, vous remarquerez qu'ils nous ont laissé mettre les tampons et les serviettes à l'extérieur, hein. C'était peut-être pas un... Il était peut-être gentil, au fond, écoutez, qu'est-ce que je vous dise. Peut-être on l'a mal jugé. Dur. Dur, dur, dur. Hop. Point d'exclamation soutenir. Non, j'ai pas de point d'exclamation soutenir. Je sais pas qu'est-ce que c'est que ça, mais... Disons que tous les trucs que j'ai en point d'exclamation, ils sont écrits sous le chat. Hop. Putain, j'ai pas mal de médocs, hein. Pourquoi je prends autant de médocs? Hop. Lait. Tidéo. Ah, toujours la même petite tasse. Ah, c'était une tasse de salle de bain, genre? Ah, c'était genre la tasse pour ma brosse à dents? Ok, ça me va. Hop. Sa make-up. Ongles. Petite pince à épiler. Petit rasoir. Hop, hop, hop. Ah, j'ai mal rangé des choses. Qu'est-ce que j'ai mal rangé? Ah oui, tout ça quand même. Et ça, je suis censée en foutre quoi? Je peux mettre à la poubelle? Je peux pas le mettre à la poubelle. Je sais pas où je suis censée le mettre. On va voir après. Ça, y a pas moyen que je les cale là-dedans? Ou sinon... Je cale ça par là. Ok. Donc la petite famille Poussin, bah faut que je les mette tous sur mon lit, genre? Ah oui. Ok, bah c'est noté. Boum. Donc toi, je sais pas ce que je suis censée foutre de toi, hein. J'ai pas remarqué que je peux mettre des choses tout en haut. Antidépresseur après la rupture. Aïe. Faut que je le range dans ça. Faut que je l'archive. Qu'est-ce que j'en fais? J'ai pas le droit de le mettre là. C'est sûr, je peux pas le mettre à la poubelle, genre. Bah merde alors. On va la mettre dans un cadre. Qu'est-ce que je suis censée en faire? Hop.
Dans les WC? Il n'y a pas de WC. J'ai accès qu'à 2 pièces. Bah merde. Ah d'accord. Il faut bien que j'arrive à le ranger quelque part à l'intérieur, quoi. Ça aussi, il faut que ce soit forcément à l'intérieur. Est-ce que mes crayons, je peux les garder à côté de moi? Oui. Hop, voilà, dans le placard. Hey, zou. Bim. Bon, allez, on est prêt pour un nouveau départ, maintenant. Cette pièce me semblait plus grande avant. Bah, tu m'étonnes. On est resté qu'un an, hein, chez papa et maman. Hein. On marquera, là, c'est parti, c'est bon. Nouvel appart, il est à nous. Bon, il a l'air un peu pété, mais il est à nous. C'est reparti. Hop. Let's go. Est-ce qu'on a voyagé? Oui, on a voyagé. Ah, ça, ça fait plaisir, ça. Ça, c'est le genre de choses qu'on aime entendre. C'est Peter Pan. Let's go, on aime toujours gamer. On est des gros gamers. On a la Wii. Mais non. Insane. On a la Wii. Trop fort. Trop fort en fait. Point faible, trop fort. Oh, un petit poussin. Tout en haut, les petits poussins. Incroyable. Elle est toujours là, la tâche. Hein. S'il y a bien un truc qui a pas bougé, c'est ça. Hein. Oh! Oh oui! Oh merci, il était temps. Voilà. Ah. Ça y est, on peut enfin à peu près ranger notre vie correctement, là. Maintenant qu'on n'habite plus chez un loser. Ah, par contre, c'est bien, mais elle est où, ma GameCube, là? Lecteur de DVD. J'arrive pas à faire la diff entre les DVD et les jeux, donc je vous avoue que je mets tout au même endroit, mais... Hop. Bam. Oh, ça c'est une petite enceinte. Petite enceinte. C'est vraiment cool que les objets évoluent avec les années. Non, mais c'est trop bien. Hein. J'aime trop le système du jeu, en vrai. Après, c'est ce que je disais. Moi, je l'ai acheté parce qu'il était en solde. J'avoue que sinon, j'aurais peut-être pas mis... je sais plus combien il a coûté, mais... Ouais, il m'a coûté genre 13 balles, mais je crois qu'à la base, il coûte, après 20 balles, un truc comme ça. J'avoue que je sais pas si j'aurais mis 20 balles pour un jeu comme ça, ce qui reste assez simple au final. Oh! Oh, c'est la petite figurine, mais elle est peinte! Trop bien. Incroyable. Ah, j'ai plus la place de mettre des livres là. Grave. Et tout ça, c'est la même collection. Voilà. Mais non, mais ça, c'est des jeux encore. J'ai plus de place dans mon armoire pour les jeux. Dans mon petit placard. On va dire que ça va le faire. Alors. Ah, le fameux. Je sais pas si c'est une... Ah, c'est une corbeille, d'accord, à parapluie. Une canne? Bon, ça, une canne. Ah ouais, c'est... C'est vieillot, hein. C'est un peu vieillot, on va pas se le cacher, hein. Au moins, on a un bureau. Même 13 euros, je comprends, du côté créateur, mais niveau consommateur, c'est rude. Après, dans le Game Pass, en vrai, ça vaut le coup, je trouve. Ouais, c'est vrai que dans le Game Pass, je peux comprendre. Là, c'est... Ouais, c'est vraiment... Côté créateur, je comprenais même les 20 euros, hein. Côté consommateur, moi, ça me faisait un peu plus mal de mettre 20 euros dans un jeu, même si... Enfin, dans un jeu comme ça, même s'il a l'air très très chouette. Hop. Oh! Putain, mais on a grandi notre collection d'année en année, hein. Insane.
Donne-moi ça. Hop. Bim. Bon allez. C'est parti, on continue. Plus rien ne nous arrête. Ah, et toute la place est à nous, là. Hein. Là, ça y est. Là, on a de la place. Petit médoc, encore. J'ai toujours pas compris pourquoi j'avais... Visiblement, tu as des rhumatismes. Ouais. Ou alors, peut-être je suis handicapée, hein. Peut-être c'est une personne handicapée, hein. Des choses qui arrivent. Ah. Je peux mettre le dentifrice aussi dedans. Ah oui, putain, incroyable. Il y a deux robinets d'eau chaude. Ah, je pense que c'est parce qu'il y en a un pour celui d'en haut et un pour celui d'en bas. La démo de Gassintown à 20€. Je suis pas sûre que des gens l'achèteraient. Hein. Je suis pas sûre que même si on le mettait à 1€ symbolique, je sais même pas si on aurait des trucs ou pas. Mais... Ah oui, mais c'est vrai que j'étais une grosse sportive. Oh aïe. Oh putain, la blessure. Oh non. Oh non. J'ai dû me blesser. Oh, sage. Hop, ça va dans la cuisine, ça. Je reconnais ça. Hop. Bam. Hop. Le jeu est tellement RP que ton perso a les genoux en compote. Exactement, comme moi. On est pareil, on est les mêmes. Hop. Le fameux... Ma trousse de maquillage, toujours la même. Pas te mentir, meuf, au bout d'un moment, faut changer de trousse de maquillage quand même, hein, mais bon, c'est pas grave. Bon, j'ai pas une place de bâtard ici. Hein. Ah. Il pèse, enfin, petit pèse personne. Alors, ça sert à rien, le pèse personne, hein. Faut pas acheter ça. Hein. C'est nul. Hein. Alors, à moins que vous ayez vraiment besoin de surveiller votre poids pour des raisons de santé, les pèse personne, c'est nul. Voilà. Hop. Ouais. Hop. Hop. Bim. Les ligaments croisés, le classique. Moi, j'ai un syndrome fémoro-patellaire. Alors, c'est reparti pour ranger notre bazar. Oh la vache. C'est vieillot, 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 hein. On a l'air d'habiter dans un petit quartier sympa. Hop. Ça, c'est mes culottes. Non. Hop, merci. Ah, merde. Ah, j'ai pas de centre encore. Ok. Ah, mais ça, c'est un pyjama. Ok, des centres. Centre. Jupe. Boîte à je sais pas quoi. Hop. Ça va surveiller ton apport calorique pour une prise de masse ou une perte de masse dans le sport. Oui, je veux bien. Pour ça, je veux bien. On va se peser tous les jours. Mais en fait, moi, je trouve que les pèses personnes, ça a tendance... Enfin, on a tendance à faire une obsession là-dessus et sur le fait du poids, etc. Et, moi, je tiens à dire que le fait de pas avoir de pèses personnes chez moi et d'en avoir jamais eu, ça a sûrement été une des choses les plus cool de ma vie, quoi, je veux dire... Ça me va très bien, tu vois, genre, c'est cool, au moins je surveille pas trop mon poids, et au moins, maintenant, je mange bien, je mange à ma faim, je me pose pas trop de questions. Ouais. C'est chouette, quoi. Hop. Hop. C'est une petite bougie. Une autre petite bougie, putain, décidément. Encore une bougie ? Encore ? J'ai 14 000 bougies. Hop. Hop. Bim. Il est 17h11. Je pense qu'on n'aura pas le temps de finir le jeu. Hein. Il manquera pas grand chose, mais on n'aura pas le temps de le finir. Hop. Tac. Je pense pas que... Je pense pas qu'en moins d'une heure, là, je le finisse. Enfin, quoi qu'on sait jamais. Hein. Hop. Bim. J'avoue que ça devient un peu... peut-être pas lassant, mais on fait un peu les mêmes choses au bout d'un moment, quoi. Ah, la place pour cette jupe. On va dire, hop, mettre ça à la place. Hop.
Tac. Dupe. Hop. Rendez-vous à quelle heure? 18h. Faut être obsédé par le truc et encore moins par le fait de se conformer à quelque chose d'autre que toi. Oui, voilà, oui, pour ces trucs-là, oui, c'est sûr. Hop. Il reste 2 chapitres encore, donc chaud, je crois. Ouais. Ouais, il va pas manquer grand-chose, hein. Bon, tant pis, c'est pas très grave, hein. Mais ouais, je peux vraiment pas. Faut vraiment qu'à 18h, je coupe. Je vais ranger les chaussures après. Oh! Enfin, décidément, ce t-shirt, on l'aura porté, hein. La vache. Petit sac. Enfin, un petit t-shirt. On a une petite paire de chaussettes. Enfin, c'est pareil, la paire de chaussettes avec la petite fraise dessus, là. La vache, on l'a eu longtemps, hein. Non. Hop. Pyjama. Culotte. Pyjama. Culotte. Paire de chaussettes. Hop. Oh! On a toujours été une personne colorée, hein, donc pourquoi pas. Je sais qu'il y a des tas de trucs pas rangés. Comme toi. On n'a pas fini. D'ailleurs... Hop, voilà. Tac. Tac. Hop. Toutes ces bougies-là, je vais peut-être essayer de les mettre autre part après, hein. Alors... Tac. Ah. Regardez-moi ça. Oui, dans ce sens-là. Oui, dans ce sens-là. Maintenant, on a un grand bureau pour travailler. On a toujours nos petits bouquins, là. Parfait. Hop. Waouh, le petit pot à crayon qui a step-up. Toujours la même gomme. Depuis qu'on est enfant. Soit on est très très fan d'une marque de gomme en particulier. Soit c'est vraiment toujours la même gomme et on fait jamais d'erreur. Mais bon. Hop. Alors, des petits dessins. Dessine des petits cochons. Des petits canards. Trop mignon. Hop. Un petit carnet. Eh, j'ai perdu là les carnets de dessin, hein. J'ai dû en jeter plein. C'est trop triste. Oh, trop mignon, petite baleine. J'en ai deux. Je sais pas c'est quoi les deux petites baleines, mais pourquoi pas. Alors, ah, bah voilà. Bah voilà, là c'est bon, là on parle. Ah, je vous jure, hein. Il aura fallu du temps, hein. Ce qui est cool en vrai, c'est que même si on s'en rend pas trop compte, au final il y a assez de challenge parce que il y a d'autres niveaux où on devait ranger. C'est vachement serré. Et là il y a beaucoup de place. Genre, ça fait des sentiments hyper différents. Ah bah voilà, là on a récupéré pas mal de petits carnets. Hop. Des cales livres, je crois, les baleines. Ah, c'est possible. Hop. Ouh. Et bah. Ah. Pendule de Newton. Hop. C'est une boule anti-stress. On est ensemble. C'est une serviette, ça. Je reconnais. Hop. Bim. Jamais d'erreur, sauf la coloc avant le rocker. Mais la gomme ne fonctionne pas dans ce cas. Hop. Alors. Oh, waouh, on a une imprimante carrément. Stylé. Et ça, c'est un scanner, j'imagine. Oh, le petit... Oh, le fameux... Le fameux truc avec tous les rangements. Tous les trucs écrits. Oula. Ah, ça, on a encore un petit calendrier, là. Ah, le routeur Wi-Fi. Petite pendule.
Mais moi ça, on a vachement de place en fait. Trop bien. Oh! Mignon, je sais pas ce que c'est. Ah mais la vache. On en a des cadres. Mais pas autant avant, hein. Oh! Oh, c'est le meilleur cadre. Oh, il est trop beau celui-là. Ah, le fameux cadre des copains. J'ai les deux petites baleines, je vais les mettre ici. Hein. Hop, visiblement on a de la place. Alors, oh la vache, un peu miteuse la cuisine. Hein. Encore des petits... Ah, cette fois-ci, ça referme automatiquement les trucs. Les placards. Pourquoi pas. Toujours les mêmes petites cuillères doseuses. Oh, c'est de l'huile de soja, ça. C'est pas de l'huile de soja, c'est de la sauce soja, plutôt. Trop bien. Trop bon choix. Eh, bah comme quoi, hein. Ça y est, maintenant, on a refait notre vie, hein. Et de la pâtisserie, on a des petits moules. Petite huile d'olive. De huile, je sais pas, on dirait de l'huile balsamique ou un truc comme ça. Hop, bam. Comment est-ce que j'ai découvert ce jeu bah sur TikTok, en fait. Tout bêtement. Sur TikTok, ça arrêtait pas d'en parler. Parce que ça arrêtait pas de parler. C'est des petites cuillères, ça, je crois. Ça parle... Enfin, je suis pas mal de gens qui parlent de jeux indés sur TikTok. Du coup, je l'ai vu passer 1000 fois avant qu'il sorte. Donc je l'attendais avec impatience, ce jeu. Et je suis grave contente, je l'aime trop. En vrai, il est très sympa. J'aime trop la direction artistique et tout, c'est chouette. Ah, ça, c'était les petites cuillères. Hein. Je me disais bien aussi. Hein? C'est une brosse de nettoyage, ça. Oh, on va la mettre après, en dessous. Oh, toujours les poêles et les casseroles qu'on va pas savoir où ranger parce que ça prend trop de place. En sup. Petite boîte à cookies. Il y en a encore de la place ici. Non mais easy en fait. Hop. Bam. Viens là toi. Hop, planche à découper. Ah. Les fameux. Ils sont là. Mes potes. Mes gigapotes. Oh, on a des nouveaux. Égal. Cœur égale 3. Cœur égale 3. Pas quoi vous dire. Hop. Tasse. Petit sucre. Tu veux même pas regarder si on vivait dans un coin qui avait l'air sympa ou pas. Toujours nos petites épices. C'est bien ça. Ah, c'est du miel. La gourde. Petites épices. Ménage à 3. Cœur égale 3. Oh, ça sent l'enfant ça. Ah, je sais pas, on a même pas l'air d'être avec quelqu'un. Je sais pas. On va voir, hein. Ah, 13. J'ai cru qu'il allait avoir écrit 1 plus 1 égale, égale 3. Merde. Ça sentait juste le succès. Brillamment résolu, vous avez écrit une équation avec les aimants du frigo. Artiste ou mathématicien ici. Attendez, on m'avait prise pour qui? Hop.
Bam. Petit bol. Petit plateau. Pourquoi pas. Oh la vache. On a des choses à ranger, hein. Ok. Bon alors. Obligé d'écrire sur le frigo pour s'en souvenir. Écoutez, j'ai dit artiste, pas mathématicien, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise. Vous jugez facilement les gens ici, moi je trouve. Hop. Ok. Oh. Oh le micro-ondes. Oh ça c'est du glow-up ça. C'est vrai qu'on n'avait jamais eu de micro-ondes jusqu'ici. Ouais, pas pratique le micro-ondes hein, par contre, on n'a pas trop la place. Hein. C'est compliqué. Hein. Hop. Gel pour les mains. Putain, mais c'est pas trop tôt, elle a enfin du liquide vaisselle. La vache, hein. Ah, ça aura pris du temps. Hein. Hop. Tac. Grille-pain. Qu'est-ce que tu branles? Qu'est-ce que tu fous avec ça? Mais... c'est quoi l'idée? Pourquoi elle a un chandelier? Bon, écoutez, pourquoi pas, hein, je veux pas juger. Vous savez, chacun fait ce qu'il veut, après tout. On a quand même deux plateaux, hein. Alors. Oui, j'imagine bien qu'il y a plein de choses qui sont mal rangées. T'inquiète, je gère. Quoi? Tout ça, faut que ça soit là, genre? Attendez. Quoi? Tu le fous, ton... Ok. Le jeu a dit là-haut, je le mets là-haut. C'est noté. Vous noterez que c'est pas moi qui ai décidé, hein. Moi, j'ai rien fait, hein. Ne jugez pas. Quoi? Mais ça va où, ça? D'accord. C'est pas grave. C'est pas... Ok. Vous savez, moi je suis pas... Bon. Aussi, il y a des choses à arranger. Non, c'est bon, hein. Hop. Non, d'accord. J'ai compris. Ça va là-dessous, c'est ça? Enfin, mais où? Attendez. Ah. Hop. Voilà. Qu'est-ce que j'ai mal rangé ici? La poubelle? D'accord. Ok, c'est tout. Oh mon dieu. C'est pas un jeu laïque? Ah oui. Ah mais oui, c'est en référence à... Ah oh, putain, je l'avais pas du tout. Je sais pas pourquoi j'étais sur... J'étais sur un simple chandelier et j'avais complètement zappé. Oui, donc oui, écoutez. Jeu qui me vénère, obligé à ranger les trucs à un certain endroit. C'est précis... C'est pas précisé, mais tu fais peut-être 1m85. Ah, peut-être, hein. Écoutez, pourquoi pas. Mmh. Le phénix. On renaît de nos cendres. Quelle chance d'avoir trouvé ce logement qui épargne un peu mon budget. Incroyable. 2015, 2 ans plus tard, donc. On a quelqu'un qui est en train d'habiter chez nous, là. Et c'est une personne qui aime bien les plantes. Donc c'est quelqu'un de bien. Trop bien. Qu'est-ce que c'est? C'est quoi ça? Waouh. Ok, excusez-nous. Dis-nous. Je sais pas qui. Oh! Personne qui aime bien le cinéma aussi? J'ai noté. Il a glow up, hein, l'appart. Hein. Nouvelle serrure et tout. Pas trop mal, hein. Une invasion. C'est pas genre un ticket de concert encadré. Ah, ça ressemble un peu. Ah, petit PC. Oh! Oh oui, les petits coussins, là! Et c'est qui, ça?
C'est qui ça? Je sais pas qui c'est, mais je l'aime bien. Oh, petit parapluie en plus. Hop. Hop. Fort Explosure? C'est des jeux de société? Oh, let's go, on a trouvé quelqu'un qui aimait bien les jeux de société. Plante. Petit arroseur de plantes. Trop mignon, c'est bon ça. C'est quoi, c'est un poster? Ah ouais! Ça, c'est des dessous de verre. Hein. Oui. Hop. Petit DVD. Petit dessous de verre. C'est une personne qui a du goût. C'est joli. On empile tout. Ah oui, alors bon. Peut-être pas du goût en tout. On peut pas... pas être parfait. Ouais, du terreau, carrément. Non, mais on respecte, hein. Passion, tout ça. Le part à Glow Up et le copain aussi, apparemment. Visiblement. Alors. Petite plante dans la salle de bain. Pas un copain. Ah, ça pourrait être un copain. Je dis pas. Il y a des mecs qui se maquillent. Ça peut tout à fait être un copain. Hop. Petite brosse à dents. C'est mignon. A poussé un jardinier qui se maquille aussi, visiblement. Hop. Hop. Une personne qui aime beaucoup le maquillage, hein. On remarquera. Ah oui, ça m'embête, ça. Les petits pots de crème, en fait. Il y a quand même du gel douche. Ah, merde. Bon, bah, ok, c'est noté. Oh, mais le mobilier qui a glow up, là. Ok, bon, j'ai compris. C'est des petites crèmes, ça va pas dans tout le reste. C'est bon, j'ai capté. Hop. C'est pas un copain. Il y a des tampons. C'est pas un copain, on a une copine. On a une copine. Non, non, mais là, c'est bon. Je veux bien, hein, mais je suis pas aveugle non plus, hein. Eh. Un tapis de douche. Non, mais oui, oui. Ah, mais là, on dit oui. Ah, eh. Voilà. Ça, c'est sortir avec des personnes de qualité. Vive les tapis de douche. Trop bien, les tapis de douche. Hop. Bam. Allez, c'est parti. Allez. Trop bien. Oh, trop stylé, elle a des peluches aussi. Eh, hey. On a mis les deux peluches à côté. Hop. Non, mais c'est une copine. On a une copine. Let's go. Trop stylé. Trop stylé, la copine. Incroyable. Oula. Ça peut être un copain avec un vagin. C'est vrai. Attendez, hop. J'allôme le mot vagin. Hein. C'est bon, on a le droit. C'est vrai, mais bon. Un jardinier qui a la peau grasse. C'est la meilleure peluche de l'univers. Elle est trop bien. Je pense vraiment qu'on a une copine. Hein. Je veux pas vous le cacher. On n'est pas ici pour assumer le genre des gens, mais bon. Je suis à peu près certain. C'est une personne féminine. Insane. Hop. Bim. Moins fan des petites culottes, hein. En revanche. Mais non, mais ça, c'est complètement des pyjamas. C'est des chaussettes. Putain. Nya. Mais non. Non. C'est super chiant. Hop. Tac. Ah, c'est une personne qui a... Elle a une passion, visiblement. Pour un truc qui s'appelle anti-héros. Je sais pas ce que c'est. Mais apparemment, elle aime beaucoup. Hein. Merde. 30 secondes, j'arrive. Hop. C'est bien le bazar. Hein. Qu'est-ce qu'il fout là, notre PC? Oh, on a eu Braille. On a un PC stylé maintenant. Incroyable. Trop classe. Hop. Plein de petits cintres. C'est quoi ça? Qu'est-ce que tu fous avec un Toki? Qu'est-ce que vous foutez avec des Toki?
Pourquoi pas? Je suis pas là pour juger, vous savez. Hop. Quelle heure il est? 7h32, ça va. Ça, c'est des chaussettes. Bim. Plotte. Tac. Petit top. Petit top. D'autres petits tops. Personne qui s'habille bien. Hein. La vache. Ça, je sais pas ce que c'est, mais... Oh, on a encore plein de plantes et tout, là. Trop bien. J'adore cette personne. Ah, ça, c'est des petits trucs pour faire brûler de l'encens, visiblement. Oui. Bon, on va voir ce qu'on en met après. Encore des chaussures, encore des chaussures. T'as combien de paires de chaussures, madame? Je sais pas où je vais caler toutes tes chaussures, hein. Je te le dis tout de suite, hein. Attendez, hein. On va s'en sortir. Petit sac, petit carnet, petit stylo. Elle en a des choses, hein. Hop. Bim. Encore des robes. T'as combien de cintres? La vache! Merde. Hop. Mais du coup, c'est un peu mal rangé, tout ça, hein. Attendez. Hop. Voilà. Il y a encore une paire de chaussettes, ça, plutôt. Oui. Bim. La porte est tellement grande qu'elle se parle pas stocky. C'est sûr, c'est ça, hein. Ah, mais la vache. Alors, je me demande comment ils ont géré le fait de... pouvoir ranger tous les éléments à différents endroits et genre... ça se chevauche correctement et tout. Beaucoup de fringues, hein. Je sais pas comment on va faire pour tout caler. Ok. Ça va être le bazar, hein. Ah, je peux ranger toutes mes affaires aussi. Pas faire ça, hein, mais... Je vais essayer de diminuer le nombre de tiroirs avec des affaires. Je remarque que si ça se trouve, les chaussures, je peux peut-être les laisser en dehors et c'est pas grave, hein. Parce qu'en fait, j'aurais pas la place de mettre toutes les chaussures à l'intérieur du placard. Sans qui fait ça. Mais... Hop. Genre, est-ce que je peux mettre son sac là-dedans? Bah non, hein. Ah, je peux le mettre là, son sac. Nice. Est-ce que je peux mettre ses chaussures dedans? Oui, je peux mettre ses chaussures dedans. On va pouvoir toutes les mettre, hein. Ouais. Je sais pas ce que je suis censée foutre du reste de ses chaussures. On va les laisser là pour le moment, on verra bien. Hop. Alors. Pareil, elle a de l'encens, là. Tac. Tac. Ok, je vais voir après. Ah, j'ai pas de carton à faire ici. Ok. Attendez. Hop. On va lui mettre son petit carnet ici. Le petit crayon. Je sais pas si ça va ici, mais bon. Ça, c'est pareil, j'arrive pas à savoir ce que c'est, cette boîte. Les petites plantes dans le bureau. Hop. Tac. Tac. Ok. Oh la vache! Oh, on a des petits sets de table et tout, c'est trop mignon. C'est quoi ça? C'est parce que j'ai mis plein de... Je sais pas. Hop. Alors. Oh! Ça ressemble à notre tasse. Oh! On a une étagère à épices! Mais non! Une étagère à épices. Incroyable. Quel glow-up! Oula! Ouais, ça. Ah, c'est un truc pour la... D'accord, pour la vaisselle. Ça aussi? Je sais pas ce que c'est. Hein? C'est quoi ces trucs-là? Ah! D'accord.
Ça, c'est un cuiseur à riz, je dirais. Putain, ça nous en donne du gadget, hein. Ah. C'est bon, je sais. Merci. Oh! Elle a des magnets! Let's go! C'est un caca, ça? 3 plus 2 égale caca. Écoutez, Ah, ça, c'est pour faire des glaces. Insane. Oh, je le mets. Petite fleur. Je sais pas ce que c'est. D'accord. C'est de l'huile. De la sauce piquante. Encore de la sauce. Ah. Ok. Encore des tournesols. Bon. Oui, je sais qu'il y a des choses pas bonnes. Laisse-moi tranquille. Tu es un cuisseur, Harry. Exactement. Mais alors, vous savez que cette blague-là, je l'ai faite... Je l'ai faite à une pote qui avait fait un cuiseur à riz en dessin. Et du coup, je lui ai fait cette blague-là et... Elle a très peu ri. Moi, j'avais trouvé ça hilarant, personnellement. Je suis très déçue. Non, mais... Ah oui, je sais, mais où est-ce que je vais pouvoir le ranger, ça? Ça passe en dessous? Oui. Ça passe en dessous, ça? Oui. Ça aussi? Non. Mhm. Ok. Mon cuiseur à riz, prendre la place, je sais pas où je suis censée le foutre, hein. Dans l'évier, allez, hop. A-E-I-O-U. Aïe. Ah oui, on n'a pas de consonne. C'est un peu nul. On peut rien faire avec ça. Bon, c'était pas le sujet. Est-ce que... Ah, voilà. Insane. Ça manque de consonne, bah voilà. Hein. On est d'accord. Mêler dans l'ordre, ça sent le succès. Bah, visiblement, non. Alors. Bah, ici, tout va bien. Qu'est-ce que j'ai mal rangé? Si, ça va aussi, c'est dans la chambre. Qu'est-ce que j'ai mal... Ah oui, d'accord. Ouais, d'accord. Bon, ça, on est d'accord, c'est pas faisable. C'est noté. J'ai compris, c'est bon, c'est pas grave. Ok, je pense que ce qu'on va faire... Que ça, on va les mettre dans des... Voilà. Hop. On va mettre les chaussures là. Hop. Sandales. Et ça. Va aller là-dedans. Ça peut pas. Attendez. Merde. Tac. Tac. Est-ce que j'ai de la place encore? Oui, là. Je peux le mettre, ce truc-là. Ah, c'est bon. Et il me reste ça, mais... Alors ça, je sais pas où je suis censée le foutre. Faut que je le mette genre avec le reste, là? Ça passera jamais dans la penderie. Pas dans le bureau? Non. Même pas là-dedans? Non. Ah, et ça aussi, ça va pas là. Faut que je le mette dans la chambre. Ah mais oui, ici. Je suis trop con. Attendez, hein. Hop. Bim. Bon. Ça se trouve, il y aura un succès plus tard à faire avec les... Je sais pas. Faire avec les lettres. Hop. Ah, bah voilà. Let's go.
Mais trop fort. Incroyable. Il est 17h42. Moi je dis speedrun. Pour 100 dalles, t'as plus rien. Pour 100 dalles, t'as plus rien. Je l'ai pas. Ouh, purée. Bon, alors. Oh, il y a du rangement à faire. Attends, il y a un étage? Ah ouais. Ah ouais, non, mais on va pas avoir le temps. On va pas avoir le temps. On saura ça plus tard, c'est pas grave. En plus, je suis fatiguée. Hop. Pour 100 balles. Ah. Hop. Bim. Merde. Voilà, je vais me passer comme ça. Non, en plus, je suis fatiguée, donc c'est pas grave. On va se stopper là, et puis on finira le jeu plus tard. La semaine prochaine, hein, je vais restreamer la semaine pro. Je sais pas quand exactement. Mais on va se trouver un moment pour ça. Pas grand monde qui stream. Hop. Regardez si je peux quand même vous rediriger vers quelqu'un. Mais oui, dans la semaine, hein, je sais pas, peut-être dès lundi. Hein. Peut-être lundi, mardi. Peut-être que lundi, je vais travailler. Alors, mardi, mercredi, j'en sais rien. Mais bon, on va s'en faire très bientôt. Hein, du dessin, on finira ça et on sera du dessin. Je regarde si j'ai des noms que je connais. Il y a un event caritatif. Le live pour analgésia. Oh, je connais pas du tout. Ah, attends, c'est quoi? C'est. Analgésia, c'est un nom d'une streamer? Enfin, d'un ou. C'est un nom de malicia. Ah, oui, non, d'accord, c'est le nom de la maladie. Ok. Malicia. Rose. Noir. Hop. Dame. Attendez, hop, je me tape la pub, évidemment. Bon, ah oui, d'accord, pour l'Institut Analgésia, je connais pas du tout. Mais bon, écoutez. Moi, ça me va, hein. Si c'est du caritatif, on envoie vers du caritatif, hein. Hop. Juste pour une fois, je redirige vers du jeu vidéo. Ta recherche contre les douleurs chroniques. Ah! Et ça me parle. Ça me parle fort, hein, donc ça me va. Hop. Tac. Bon. Bah du coup, hein, comme d'hab, ça fait très longtemps hein, que j'ai pas fait de stream, donc je suis un peu du père, je vous avoue. C'est où? C'est où que je fais ça? Là, voilà. Vous avez tous les liens pour mes réseaux sociaux si vous voulez me follow là-bas. La prochaine fois, on essaiera de faire du dessin quand même. Là, ça m'a rendu un peu triste que mon iPad ne marche pas, mais bon. Écoutez, j'espère que les chaleurs vont un peu se calmer et qu'il va marcher correctement pour les prochains streams. De toute façon, la semaine prochaine, lundi, mardi, un truc dans le genre, on se finit unpacking et puis on streamera du dessin. Voilà. Et puis sur ce, je vous fais des bisous. On se dit à la prochaine. Et du coup, on va raid Malicia Rose Noire. Des bisous. À plus. C'est un lien que tu voulais mettre, brocoli, ou pas du tout? Pas. Et pourtant, je suis à la thermos de café, c'est la deuxième que je vais enquiller, là. Ah, j'ai pas pris de monster cette année. Et moi, je prends rien du tout. Je suis fatiguée de ouf. Tu m'étonnes. Par contre, ce soir, je pense que j'apprendrai du café. Ah.